I love you guys, truly, from the bottom of my heart. Get the win, and let's sing a song after this game. Get it done, no fear. Both of these teams are fighting for an opportunity to still have their spot. Giants keep their LCS dream alive! They still have to go up against Fnatic Academy. C'est parti pour... Salut à toi, Shox. C'est parti pour la dernière place en LCS. Est-ce qu'on aura une deuxième équipe avec du sang presque neuf, puisque tout de même, de nombreux... 4 de ces joueurs sont déjà passés par la case LCS. Ouais, effectivement. Donc, Fnatic Academy qui va devoir faire face à Giants. Un match qu'on avait déjà vu, qui avait été relativement à sens unique, puisque Fnatic Academy avait pris le 3-1 un petit peu plus tôt dans ce tournoi de Promotion Tournament. Maintenant, j'ai envie de dire que un petit peu de temps a passé, pas forcément un changement de contexte, puisqu'on est toujours sur le même patch, si je ne me trompe pas, et que, on n'a pas eu de changement dans les rosters, etc. On a eu le temps de train tout de même, et il a fallu train pour Giants, puisque sur le papier, on en parlait un peu pendant ce pré-show, il y a quand même un sacré écart, alors notamment sur la top lane, puisque le reste, je pense qu'un Isky est complètement capable de tenir un Knight et inversement proportionnel. Au niveau du bot side, par contre, ça pourrait faire également assez mal, Giants. Je vois, à part peut-être en jungle, en fait, je vois pas où Giants tire son épingle du jeu. C'est des drafts plus lentes. Vraiment, ces drafts lentes. Il n'y a pas de surprise dans leur draft. C'est-à-dire qu'on joue la méta et on la joue pas de façon optimale. On a du mal à finir les games. On n'a pas des early games incroyables. Donc, en fait, il n'y a pas vraiment de force pour moi. Ils n'ont pas réussi à s'adapter à cette méta du 7.6. Et ça leur coûtera leur place, tout simplement. C'est annoncé, la prophétie. Donc, on va voir si ça va se révéler ou non. C'est vrai que Fnatic Academy, donc, c'était hier, ils se sont battus face au Misfit. Ouais. Misfit qui s'est qualifié du coup pour l'LCS. Et c'était un BO assez serré. Et oui. Un BO où, honnêtement, il y a quand même une très bonne chose. De toute façon, je pense que Fnatic Academy, Misfit Academy, c'est meilleur que Giants, Vitality et Origen. Il aurait fallu que ces trois équipes partent pour laisser peut-être la chance à trois nouvelles équipes. Parce que je pense que si le PSG avait pu jouer ou Schalke avait pu jouer en plus à une époque, c'était trois les up and down. Hein. Oui. C'était il y a un petit moment. Il y a un bout de temps, mais je crois qu'à une époque, effectivement, il y avait du 3 sur les up and down. Je pense que Vitality serait fait sortir aussi avec des grands coups de pied dans le fion. Voilà, soyons honnêtes. Donc, moi, j'ai peu d'espoir. Je t'avoue qu'en plus, le match a déjà été joué il y a une semaine. À moins qu'il y ait une métamorphose incroyable qui soit passée. Mais même, en fait, je vais rajouter que même la draft des Giants me laisse dubitatif. C'est vrai qu'il y a un peu toujours ce profil de jeu où, dont tu en parlais pendant le pré-show, à savoir une duolane qui évolue sur des champions utilitaires. En fait, on répartit des ressources plutôt du côté de Knight. En fait, Knight et Memento, pour moi, sont les deux gros carrés. Oui, c'est ça. On met tout sur Knight, on met tout sur Memento. Et les autres, ce sont un peu des faire-valoir. Sauf que, au bout d'un moment, au bout de la 70e fois où tu vois ça, tu bannes le Graves. Tu bannes le Graves, tu prends. Ou alors en blue set, tu gardes le Graves et tu counter la jungle. Avec la jungle, tu mets la pression sur le mid. Pendant que tu prends des tops et des botlanes fortes, Giants, ils n'existent plus. Ouais, ils n'existent plus en early, en mid-game. Et je pense que c'est ça, hein, tu vois, tu mets Kikiz. T'attends le Nautilus, le chêne de Flaxish. Parce que Flaxish, tu peux lui laisser son chêne, il n'est pas fabuleux dessus. Tu contres ça avec un gros speed pusher, que ce soit Camille, que ce soit Fizz, que ce soit Kennen, que ce soit Akali. Bot side, pareil, tu prends un truc qui push. Tu t'embêtes pas, tu prends H-Karma. Allez, hop, terminé, ça push.
Et derrière, tu prends un Graves et tu te stompes. Et tu déroules, ouais. Non, effectivement. Mais c'est vrai, quand on voit les profils d'équipe, bah, demi lane forte à environ 26% des dégâts d'équipe. Là, il est un petit peu au-dessus de Niski, mais bon, ça joue pas à grand-chose. C'est vrai que le bot, bah, en fait, chez Technique Academy, Mister Alez, bah, il frappe. Hein. C'est 28% des dégâts de sa team, c'est plus de 500 DPM, si je me trompe pas. Avec, alors, faut noter que Clay évolue beaucoup sur des champions, des supports vraiment utilitaires. Donc, ils vont être tanky, qui vont pas, en fait, buffer un petit peu au niveau des stats, puisqu'on voit majoritairement de la Karma, de la Lulu, du Braum, du Tahm Kench. Là où du côté de Giants, Husnin, il y a un peu plus de support à dégâts, il y a beaucoup de Zyra notamment. Et ouais, ils font que ça, Zyra H, Zyra Varus, s'il n'y a pas, tu passes sur une Karma, et s'il n'y a pas, tu bétonnes avec du Nautilus. Ouais, exactement. Donc c'est vrai qu'il y a multiples menaces chez Fnatic Academy, tu sens que au niveau du profil de l'équipe, au niveau des compos, tu peux te dire bah, on va jouer sur le mid, on peut jouer sur la bot lane si on veut, on peut jouer sur la top lane, on peut même laisser Kiki se faire son jeu, on l'a déjà vu sur le carry des games assez facilement, puis bon, c'est l'un des rares joueurs qui est capable de sortir des picks type Akali, donc bon, puis on connaît l'historique de Kiki, hein, c'est devenu maintenant le mercenaire à faire passer des équipes, c'est des Challenger Series, le PLR professionnel. Oui, c'est ça, exactement. Donc bon, bah, c'est vrai que pour Giants, il va falloir être fort. Il va falloir garder le moral. C'est vrai que je pense que pour eux, c'est pas une situation dans laquelle tu as vraiment envie de te retrouver. Hein. Jouer sur scène, un match que tu as déjà joué, sur lequel tu sais que bah, tu as 90% de chance de perdre, en fait. Et puis derrière, bah, c'est une perte de place LCS quand même, c'est pas rien. Après, il y a un an, je t'aurais dit, c'est la catastrophe absolue. Maintenant, la scène Challenger est tellement médiatisée, il y a tellement d'investissements. Et puis, il y a encore Schalke et PSG qui sont restés bloqués. Mmh. Donc, il y a encore une certaine hype qui est restée, même s'il n'y aura plus les académies. Et on verra peut-être moins de. Il n'y aura plus les Nupsers, donc peut-être un peu moins de hype l'année prochaine. Et encore, à voir si Riot conserve le même format. Parce qu'on sait que Riot a plus ou moins la volonté de faire des ligues nationales, etc. Ouais. Donc, Giants étant une structure espagnole. Ça pourrait être une piste de développement, voilà. Sauter, couler pour mieux remonter. C'est quand tu touches le fond que tu peux pousser sur les pieds et remonter. Exactement, bah, c'est ce qu'on va leur espérer. Enfin, c'est ce qu'on espère en tout cas pour Giants. Et là, une question qui me taraude un peu, peut-être que tu auras la réponse, c'est si Fnatic Academy passe en LCS, donc on aura la problématique de l'interdiction de la Nupsers, est-ce que Fnatic a déjà annoncé un racheteur, pas du tout. Bah, personne encore a annoncé. Bah déjà, faut être sûr que tu passes avant d'annoncer un racheteur. Ça passe mieux, effectivement. Voilà. Parce que sinon, la déception n'en est que plus grande. Ouais, on a un racheteur, les mecs, on revend notre slot 2 millions. On passe pas. Très bien. Allez, je viens de perdre 2 millions. Allez, hop, c'est moi. Mange là. Non, par contre, c'est Fnatic là, qui a eu un petit investissement de 3 millions d'euros, je crois. Ok. Je crois qu'ils viennent de faire une levée de fonds. Ils viennent de faire une levée de fonds de 3 millions d'euros. Donc bon, ils sont pas à court de blé, mais je pense qu'ils pourront effectivement passer. Après, on sait que Riot parfois facilite le rachat du spot en faisant intermédiaire avec des gros investisseurs. Donc je me fais pas trop de soucis pour les deux équipes pour vendre leur slot. Ah, c'est 7 millions visiblement. 7 millions, pardon, 7 millions. Oui, d'accord. Ouais, donc, oui, 3, ça 7 va. Millions, c'est quelques kebabs de différence, faites pas l'effet de bouche. Hein. Allez. Clairement. Ouais, bah, du coup, Fnatic qui se met bien, qui a pas encore retrouvé son niveau d'antan à l'époque Yellowstar, etc. Mais qui est en train de se reconstruire, en fait. Bah, d'ailleurs, ça me fait penser à l'excellent article que je vous conseille de la Redaco Gaming sur Samsung, qui est un peu dans le même style, à savoir une très grosse structure d'antan, qui a eu une petite période de creux, bon, pas forcément pour les mêmes raisons, et qui remonte la pente petit à petit. Bah, ils ont une période de creux parce que tous les joueurs ont été rachetés à grands coups de millions par les Chinois. Ah, et ça pique, ouais. Ouais, et puis c'est la disparition de la Nupsers, mais ils ont une. D'ailleurs, je suis absolument dégoûté. C'est toi qui commente le BO demain Ah non, c'est Zab et Twix. Ouais, Zab et Twix. Zab et Twix. Je suis absolument dégoûté de ne pas pouvoir commenter le Samsung KT. Je suis écœuré de ne pas pouvoir le commenter. Je vous conseille, hein, demain, 10h du matin, KT Samsung, un des plus beaux BO de l'année, sûrement. 3-0 pour KT, pronostiqué, bien sûr. Normal. Ah, ils ont l'air d'être chauds, mais c'est vrai que bah, du coup, d'autant plus dans la prévision de ce BO, ce petit article, on parle un petit peu et c'est vrai que Samsung bah, sont assez impressionnants, donc une fois de plus, n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil au travail des rédacs pendant que la draft devrait pas tarder à se lancer ici. Les profils des joueurs, les coachs un peu tendus, forcément, il y a beaucoup d'enjeux ici, c'est un BO5, c'est un exercice qui est pas facile à mettre en place, hein, mine de rien. On pourra pas commenter, on sera même en analyse, hein, sinon je serais venu, vous inquiétez pas, hein, j'aurais shotgun le truc, j'ai posé ce BO 6 mois en avance, c'est juste qu'on sera en direction pour la Gamers Assembly, voilà. Ah, forcément, oh, ça va être cool aussi la Gamers Assembly, je pense.
Oui, puis on descend avec Uncle, Chips Uncle, ah, moi-même en voiture. C'est, on retrouve Carnage sur place, il sera là-bas. On sera beau. Oui. Non, mais je me fais aucun souci pour vous, là, clairement. Ça devrait bien se passer. Et du coup, voilà, cette draft, qui se lance? Giants, Fnatic Academy, premier ban, Syndra contre Niski, la réponse à base de Talon. Talon qui reste un pick quand même assez contesté, mine de rien, maintenant. Et la suite dans la jungle. Alors, la question, c'est côté Giants, est-ce qu'on va essayer de focus sur Kikiz? On a un début d'élément de réponse ici avec cette ban, ce ban de Camille. Est-ce qu'on va continuer là-dedans? Est-ce qu'on va surtout laisser son fils d'open? C'est pas évident de ban un fils comme ça aussitôt. Ça ban Graze pour Amazing X. Bon, alors Memento est incroyable et Amazing est en jouer son Lee Sin. Je pense que du coup, First Pick Lee Sin, ban Graze, ban Rengar, ban Kha'Zix, First Pick Lee Sin pour Amazing. Ah, la Zyra. Ok. La Zyra, on deny. Hein. On deny les picks de chez Giants. C'est intelligent ça pour Fnatic Academy. Et le Graves de Memento, bah, c'est le pick qu'il a le plus joué pendant la saison. Et c'est là que ça fait mal parce que c'est 15 Graves. C'est 13% de win rate et c'est un KDA inférieur à 2. Donc là, effectivement. C'est les équipes de très bas de tableau. Ouais. C'est-à-dire que si tu cherches un pourcentage de win rate, par exemple chez Origen, quel que soit le pic, on a 7% de win rate sur la saison, ou 6% de win rate sur la saison, tu vois, on va pas trouver grand-chose. Oui, effectivement. Et du coup, Memento, directement, priorité au Lee Sin, tu en parlais. Je pense que ça, c'est typiquement le genre de champion qu'il faut pour Giants. C'est que, bah voilà, la méta, il la joue, mais il la joue moins bien que Fnatic Academy, du coup. Go sortir des champions qui soient exigeants, qui puissent être game breaker et sur un malentendu, sur un bon kick flash. Il est sorti pour la première fois hier et moi j'ai pas été conquis par son Lee Sin. Pas mauvais, hein, mais pas conquis non plus. Bon. Avec la hache, petite draft pick-up là pour Giants. Oh, la surprise. Incroyable, oui. Il n'y a pas de surprise. Il n'y a pas de surprise dans leur draft. C'est au bout d'un moment où t'es aussi prévisible, tu changes jamais de stratégie, que ce soit avant, pendant et après la game. Parce que même après la game, ça change pas de stratégie. Moi au bout d'un moment je me dis que les coachs en face ils sont pas idiots, ils regardent. Là où Fnatic, la surprise c'est le mode Fnatic, c'est un flex pick, un Nautilus qui tout d'un coup part en jungle ou en support ou je sais pas où, c'est possible. Allez, on prend du pick qui domine, Knight, un pick de confort, c'est que du confort. Ah ouais, là j'avoue que le Corki midline aujourd'hui, c'est plus joué en fait. C'est du confort. C'est du confort. C'est pour le prendre avec un X-Drinker et une trinité et pas se le faire démonter par Nissi sur la mid lane, garder un peu de pression, donc c'est pas idiot, mais c'est une draft sauve la face un peu, je trouve, d'un certain côté. C'est encore une fois, c'est des drafts qui manquent d'ambition pour Giants. Et d'ailleurs ils vont nous jouter un tank au top pour Flaxish. Et d'ailleurs son chaîne qui est banni là, pour le coup on n'a pas envie de voir Kiki sur un chaîne, ce que je peux comprendre. Et c'est vrai que le perso aujourd'hui apporte quand même beaucoup. Le Nautilus qui est banni d'ailleurs, anticipation côté Fnatic. Nautilus, est-ce qu'on sortirait pas le Maokai derrière, qui est le deuxième pick le plus joué, ouais, notre ami Flaxish? C'est pas cette mode. Peut-être le Renekton alors pourrait être une priorité intéressante. Parce que même s'il y a un gros écart de niveau entre Kikiz et Flaxish, Tu dégages Graga, je pense, sur Flaxish. Tu veux vraiment le mettre en PLS? Ah, il le fit, voilà, on en parlait. Quand même 3 bans hein, sur Kikiz, mine de rien, côté Giants. Alors, Gragas, Renekton peut-être. Ou on pourrait focus encore les supports. Un Malzar qui est disponible d'ailleurs. Qui pourrait être un bon atout pour Giants. Qui pourrait être un excellent atout, même pour Giants. Hein. Je pense que c'est un très bon pick pour Oslin. Il fait bien de le faire remarquer. J'avais pas vu qu'il était encore ouvert. Et voilà. Ah bah. Tout de suite, pas du tout. Pas de possibilité. Du coup, pour Giants, on devrait conserver logiquement le last pick pour Flaxish. Voilà, la Lulu. On prend pas de risque toujours. Pick passe partout avec une hache, t'as une phase de push de lane, était relativement safe. Le last pick pour Flaxish. Flaxish sur autre chose qu'un tank. Flaxish, la Riven top. La Yoli. Oh, la Yoli. La Yoli, ça pourrait être intéressant. Ah, amazing. Oh là là. La Rek'Sai. Ah là, pour le coup, on prend pas de risque non plus. Et Kiki sur son Gragas. On a deny le Gragas de Flaxish. Alors, ça, par contre, du coup, qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste Rumble Renekton en top lane pour Flaxish. Mais alors, Rumble. Sur un top laner faible, on sait ce que ça peut donner. Renekton pourrait être une belle réponse également, sachant que bon, je suis même pas sûr qu'un Renek puisse vraiment bullier un Gragas en lane, mais bon, au moins tu conserves ta top lane. Derrière, bah, y a cette Illaoi, cette Poppy aussi. Hein. Poppy qui pourrait être très intéressante, honnêtement. Il y a pas mal de dash à cancel. Et non, côté Giants, on prend le parti du risque, on prend ce Rumble. Alors, Rek'Sai Gragas, en termes de dive sur un Rumble, c'est cadeau. Hein. Avec une Leblanc en décalage. Mais il va falloir qu'il décale Niski, ça va pas forcément être très évident.
Et en plus derrière la draft de Fnatic Academy qui garde la possibilité du 1-3-1 avec le TP sur Eminem pour Niski, là où Knight est forcé de partir sur une fatigue. Donc on a au niveau des lanes, je dirais que ça se tient de tous les côtés. Avantage au niveau du top side parce qu'un Rumble est quand même très fragile. Et puis derrière, en fait, tactiquement, t'as un gros avantage pour Fnatic. Il y a ce 1-3-1. Il y a cette faculté à contrôler l'espace au niveau de la prise de vision des Nashor avec les plans de Zyra, avec le POC de ce Ezreal. On a un scaling qui est avantageux, je dirais, quand même pour Giants parce qu'on a une hache et parce qu'au bout d'un moment, une hache, bah, ça découpe tout simplement. Mais ouais, qui est protégé par une Lulu. Mais le problème, c'est qu'il n'y a pas de frontline. C'est ça. Il n'y a pas de frontline où il y a Rek'Sai, Gragas et ça va être très très dur de trouver l'engage. Bah, t'engages à la roue. En fait, sur ton engage, il marche jusqu'à 25 minutes de jeu. Tant que Arrow, Equalizer, plus derrière le Burst, on a encore qui suffisent à tomber un frontliner, après, c'est game over. Et après, il y a la rédemption, il y a les loquettes, enfin, il y a les rédemptions qui commencent à pop. Il y a même, mais même, hein, la flèche de cristal, faut la mettre quand il y a Rek'Sai, Gragas devant. C'est pas ce qu'il y a de plus facile. Après, purement pendant l'early game, on a que des lignes qui mettent la pression. On a trois lignes qui pushent. Par contre, Lee Sin contre Rek'Sai, avec l'Unburrow, tu peux casser un peu la dynamique de Lee Sin. Donc Lee Sin, c'est pas non plus free gank, mais au moins Giants, je trouve ça bien, on a pris de quoi dominer leur league game. Et ça me fait plaisir. On va voir si cette domination sera effective ou non. Allez, pour Giants, maintenant, il va falloir briller. Il va falloir sortir les gros kick flash, enfin sortir la domination de lane et quelques plays. Et j'ai hâte de voir ce que ce Corki va pouvoir donner, en tout cas. On arrive dans cette game, une BO5, on le rappelle, si jamais vous venez d'arriver. BO5 qui commence sous l'auspice du dragon des vents, d'ailleurs. Pas forcément le genre de dragon que tu as envie d'avoir quand tu t'appelles Giants. Un petit Infernal ou un petit Montagne aurait été plus intéressant pour justement pouvoir fructifier, transformer cet avantage en early sur le push, sur l'agression. Maintenant, côté Fnatic Academy, voilà, on part en mode coquin. Petit trap au niveau de ce tribush, on part à l'invade, on a envie de prendre l'information sur le starter de Memento. Ah. Ouais, contre. Il n'y a pas de. Oh là 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 là. Il a pris la vision. Ah, mais qu'est-ce qu'il. Qu'est-ce que tu fais maintenant, Kikiz? C'est quoi le projet? J'apprécie la position de la duo lane Giants qui fait des câlins à leur tour. Oh là 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 là. Dès la première minute. C'est stratégie d'une veine Fnatic. Oh, c'est travaillé. Hein. Ouais, ça fera chou blanc, malheureusement. Ah, c'est intéressant comme choix, mais bon. Avec le petit coup de bidon first sur un Gragas, ça peut faire des merveilles, linké avec un root pour Clay. Et la ward sur ce blue buff. Du coup, on va se répartir sur la carte. Kiki s'y apprend un peu de pression, mais rien de bien dramatique. Alors, quel start pour Amazing avec sa Rek'Sai? Est-ce qu'on start par les Krugs? J'ai l'impression qu'on va partir sur un red buff. Red buff Corbin. Ou alors... Est-ce que c'est dangereux, Lee Sin, il va faire le Corbin loup, je pense. Donc c'est dangereux de counter. Pour Amazing, même s'il a un peu de vision, donc je vois plus partir sur ce Corbin. En plus, Corbin avec une Rek'Sai, c'est tellement facile à faire. Ouais, ça se fait vite, effectivement. Ce qui est pas du tout la même chose pour un Lee Sin. Et on voit Memento là qui accuse quand même une petite perte au niveau de sa barre de points de vie. C'est rare de voir Lee Sin starter au Corbin sans avoir un pool derrière, mais bon, on va lui faire confiance. Du coup, Red, Krug. Alors, est-ce qu'on part sur une route longue? Est-ce qu'on va tenter un petit gank top first ou en tout cas peut-être un counter gank? Hein. Ça va être très important d'apporter de la vision, d'apporter du backup à ce Rumble. Ouais, pour l'instant il va push, donc il n'y a pas énormément de choses à faire. Ah, et on prend la route très longue hein, pour Memento. Memento, il est parti pour farm dans cette jungle. Pareil pour Amazing X. À moins qu'on essaie peut-être de cut un petit peu au niveau de ce Rumble. Prendre le carapateur. Il y a moyen, il y a un potentiel de gank topside là, clairement. Même si Kiki se prend un peu la dose. Et voilà, Memento. On le voit sur la minimap qui va se présenter Tribush, qui anticipe, on avance la vision également du côté de Faxi. On prend l'info, est-ce qu'il peut steal? Non. Carapateur qui sera en faveur du jungler Fnatic Academy et qui prend également l'info sur Memento. Il prend la vision, mais il y a le contre au niveau du blue buff, on vient mettre des wards, décalage, oh ils viennent le chercher. Kikiz, il n'a pas intérêt à rester là, l'onde sonore qui ne touchera pas, l'arrivée oh. d'Amazing, Amazing contre Momento, Amazing qui est en train de malmener Momento, le flash out dans le mur, et il arrivera à s'en sortir, est-ce qu'on peut se retourner sur Flaxish, est-ce qu'il y a le body slam, et la réponse est non. Non, plus de CD, effectivement, on trade les flashs, et deux flashs de concédés chez Fnatic Academy, pour bah, seulement celui de Memento qui... Voilà, accuse une grosse perte de points de vie qui va devoir rentrer à la base, qui revient qu'une longue sword. Mais voilà, Amazing est tranquille, il va pouvoir farmer son blue buff sans être dérangé, enchaîné sur un gromp potentiellement. Pendant ce temps-là, au niveau du bot, le push, forcément, on s'y attendait, hein, en faveur de Giants. Au niveau du farm, ça a l'air d'aller pour Mr. Alaise.
pour le moment, on a encore des potions, on a encore tout ce qu'il faut. Et au niveau de la mid lane, on sent Knight hein, qui bénéficie de son push également, tu en parlais. Bah, ça auto-attaque fort, ça a énormément d'AOE, c'est ultra safe. Avant l'Exdrinker, il n'y a pas assez de dégâts pour la Leblanc pour faire peur. Et après l'Exdrinker, il n'y a plus assez de dégâts non plus. Ouais, clairement. Puis on a la fatigue en plus sur Knight, hein, au cas où. Ouais, donc, mais c'est le pick ultra méga safe. C'est pas mauvais, mais c'est. Je le redis, hein. Mais j'aime bien la surprise, tu vois. Moi, je suis quelqu'un qui aime les surprises. Voilà, j'aime, tu vois. Là, il y a Shade, là. Il passe, il se pose. Surprise. Et il me surprend. et c'est pour ça, j'aime Shade. Je n'ai pas honte de le dire, j'aime Shade. Et ben, du côté de Knight, c'est pas forcément pareil. Ah, on est. Tu Overwatch pour l'ami Shade. Finale des. Overwatch, puis t'as eu, il y a du lourd. Ah, il y a du lourd. Ben voilà, pour ceux qui aiment du Overwatch, à 18h sur la TV, il y a le crew qui se réunit. Ah, ça peut valoir le coup, effectivement. Ça vaut toujours le coup, Overwatch. Ah, c'est sportif. Et puis quand on a des casters comme Shade, effectivement. Voilà, attention ici, Amazing, Memento, All-Invade. On n'arrivera pas à récupérer l'intégralité de ce camp de Raptor. On reprend la vision, hein, toujours du côté d'Amazing. On a envie de pouvoir jungle de manière safe. Puis là, il est bien, hein, mine de rien. Double longsword, il y a un gros potentiel offensif à se mettre sous la dent. Et du côté de Knight, on voit, on part Exdrinker first, comme on disait. La classique. Pas d'HP par contre. Attention, sur la gang de Rek'Sai, le burst, il peut être intéressant. Ouais, mais Rek'Sai, il n'y a pas assez de dégâts. Effectivement, il y a du gank à faire. Et gank un corps qui fatigue, Valkyrie flash, enfin... Ouais. Il y a un Rumble qui attend son gank. Voilà. Ah oui, c'est clairement Faxish. Là, pour l'instant, il est en mode deux pieds en éventail avec son petit amplification. Et on notera un Memento qui passe son temps à évoluer topside. Là, qui est un peu en train de subir. Attention, ouais, le shield, ça va aller. Mais ouais, ce Rumble qui est exposé et qui push excessivement fort. Et d'ailleurs, qui fait un start assez ambitieux avec son temps d'amplification first. On a envie de pouvoir avoir sur le premier back le déguisement hanté. Et c'est vrai que ça, pour Giants, c'est un timing qui serait très intéressant pour arriver à dominer cette top lane. Ah, le bon trade, pris par Niski. Ouais, il y a de la potion de corruption en face. Et il part. Alors, je suis pas fan du tout. Alors, le manteau de Nekatron first. Alors, oui, Corki a des dégâts, des bons dégâts mix. Hein. Peut-être 70% de dégâts AP. Mais pour le coup, le jungler est AD. Oh, oh. Le petit gank, l'arrivée d'Amazing. Flash and Bureau peut-être. Non, flash out, double chaîne. Eh bien, tu vois. Il serait parti au pistolet Hextech. Peut-être que le kill, il était pris. Oui, c'est fort probable, parce effectivement. C'est vrai que, normalement, bon, là, Leblanc, en ce moment, ça joue à la Gunblade. Gunblade Lichbane, ouais. Ouais, c'est bon, alors, ça vaut ce que ça vaut. On peut critiquer ou pas, en tout cas, ça marche. Ah, et là, l'Abyssal, pour le coup, autant contre des matchups Syndra, avec des Elise, etc., en jungle, je comprends. Là, j'ai un peu plus de mal à me faire au choix de Niski. Bah, c'est peut-être fait un peu tôt, en fait, parce qu'il y a quand même pas mal de dégâts magiques chez Giants, ne serait-ce qu'avec le Rumble. Mais, effectivement, est-ce que tu as envie sur ton premier back? Ça veut dire vraiment qu'il y a un refus hein, des tentatives de kill en 1v1 au niveau de cette mid lane. Je pense qu'il va pas le finir hein, et que derrière il va passer effectivement sur du dégât. Mais ouais, pour la, il veut laner tranquillement ici, très bien. Mais moi je trouve qu'on perd un peu. Peut-être qu'il se dit effectivement, de toute façon je pourrais pas trade le Corki, je pourrais pas décaler parce que le Corki va mettre la pression. Donc concrètement, ma Gunblade elle me sert à rien et je pars sur quelque chose de safe qui me permet de farm. Bon là, attention, joli Enbureau pour prendre celle de Q, Memento qui veut prendre ce trade. Là il y a un kick. C'est claqué, décalage, flashing de Niski, la fatigue à la réception tout de suite, dashback. Mais effectivement, pour revenir sur ce que tu disais sur le manteau de Négatron, bah en fait, ça va clairement dans le plan de jeu des Fnatic Academy, à savoir où on est plus fort tactiquement, on est plus fort mécaniquement. La seule probabilité qui pourrait nous faire perdre la game, c'est que bah, on grid en fait. Donc bah, on joue l'archi-serrure, et à partir de là, bah, Giants, non, mais ça ils se vont faut. Être bloqués. Je pense que t'as raison, je pense que c'est ça. C'est... Viens des pauvres fous. Ouais, c'est ça. On vous attend. On est bien campé sur l'opposition. Et puis on va dérouler. Bon, en tout cas, là, belle opération au niveau de cette fight de 2v2. Flash de trade contre Fatigue Flash. Et Amazing qui va utiliser son outil pour revenir farmer avec un Tiamat là. Attention, pareil, hein, toujours gros potentiel offensif sur cette Rek'Sai. Ça va vite. Puis on l'a vu dans le duel, il a pas peur Amazing, même avec un niveau de retard. Sur un Memento qui tente. Encore et toujours d'invade, tente de créer de la pression, mais pour l'instant ça n'a toujours pas été transformé en termes de gold ou en termes de kill. Oh, ça farm. Les junglers ils farm, ils s'en tamponnent. Ah, Amazing. Ça faisait longtemps que j'ai pas vu une Rek'Sai Tiamat et moi j'aime bien la Rek'Sai Tiamat. Alors à savoir si derrière il va faire le Warrior, j'y crois pas trop.
c'est ça fait beaucoup, un Tiamat, mais il faut pas non plus être fou. On a besoin de la front line. Bon, un petit Cinder Hulk, mais c'est vrai que l'apport du Tiamat tôt comme ça, ça te permet de farmer très vite sur tous les camps avec, avec plein de petites unités, un type Krug, surtout type avec Raptor. Avec une Rek'Sai. Hein, c'est... Rek'Sai et Tiamat, ça clear tellement vite. Puis après, potentiellement, une transformation en Cinder Hulk plus Hydro Tanesque. Attention, le 4 ici sur Hustling. Ça va, serein. Il y a le heal encore à disposition. On se shield, on se replace. Il y a la croissance en plus du côté de Hustling. Il avait son niveau 6, donc pas grand chose à craindre. Clay un petit peu retard en XP. Et on va aller prendre de la vision. On va préparer le terrain pour ce potentiel gang de Momento qui arrive. Même un décalage de Knight, de la Pink Ward. Ah, il y a quelque chose à faire. Ouais, Memento, effectivement, au bot, là. Il y a un kick, il y a un flash, mais ouais, non. La duo lane Fnatic Academy qui va juste accuser son back. La tour qui se fait gratter. On va revenir, hein, tout de même côté Mister Alez et Clay. Memento, on recule. On deny la plante. Bah, c'est l'early game des Giants, ça permet de faire ça. On disait à la phase de draft, au top ça push, au mid ça push, en bot ça push. Et ça permet à Momento d'invade. Et c'est vrai que c'est pas facile en early pour Fnatic de venir gérer un peu tout ça. Donc là, les Giants, ce qui serait bon, ce serait de réussir à mettre un gank en bot ou en top et d'arriver à prendre une tour rapidement. T'as pas envie de jouer le cross-map à cause du dragon, même si c'est un dragon des nuages. Donc là, il y a une petite tour Elbot qui est moins de mid-life. Knight, il arrive toujours à se décaler. Voilà, il peut push et réussir à décaler. Il faut agir sur cette bot lane. Ouais, je suis d'accord, effectivement. Peut-être utiliser le timing package de ce Corki pour forcer une action. Et on va l'attendre encore un petit peu. Parce que c'est vrai que pour l'instant, Knight, il est sur un timing très utilitaire d'itemisation avec cet Exdrinker et double dagger. C'est pas forcément gros potentiel passif. Par contre, attention, Niski là, forcément, on va appuyer là où ça fait mal. Flaxish qui va prendre le route. On a la Rek'Sai de Mazing qui arrive également au backup. Le Gragas de Kikis devrait arriver également. Attention, Niski qui prend lourd ici, mais voilà. First Blood, c'est très bien fait pour l'instant au niveau du bot. On se défend corps et âme côté Fnatic. Et ça tient. Il a essayé de fight, Flaxish. Laisser de fight, c'est complètement fait bait. Et il s'est dit, oui, Niski va arriver tout seul et Kikis est encore loin, mais je pense qu'il n'avait pas anticipé Amazing. Et là, ce sera la T1 top qui tombera en avance pour Fnatic, c'est dommage. C'est dommage de laisser passer ça. Ils peuvent même pas continuer sur la T2, donc dans le meilleur des cas, ils récupèrent ce dragon des nuages en plus. Mais ça va être défendu en bot side. Ah, tactiquement, Fnatic Academy, c'est vraiment intelligent ce qu'ils proposent ici. Et bon, derrière, côté Flaxish. C'était un trade qui, sur le papier, aurait pu être intéressant, effectivement, mais bah, dans la pratique, à partir du moment où tu as l'information sur le reste de l'équipe, bah, regardez la minimap, en fait. Hein, y a aucun backup possible, il n'y a pas un pet de vision avancé topside pour Giants. On sent qu'on a vraiment cristallisé toute l'attention sur la bot lane, et Fnatic, bah, voilà, qui sort le bon call au bon moment, first blood, first brick, ça fait très très mal en termes de gold. En fait, il flash même pas, parce qu'il dit qu'il est mort de toute façon. Je pense qu'effectivement, il a fait le bon choix là-dessus. Parce que le Rumble sans flash... Sur la top lane, vu le trio top jungle mid des Fnatic, c'est quasi suicidaire. Oh là, la flèche de cristal, ça ne touchera que le clone. C'est un peu coquille là. Ouais. Un peu clairement coquille. Il a une goutte de sueur le long de l'arrêt. Hein. Clairement. Le fameux clapotis interfécié, il est là. Et pour le coup, bah, Fnatic Academy s'en sort très bien là. On va pouvoir peut-être, alors attention à se regrouper tout de même, hein. Ici on voit Giants qui tente à percer dans la jungle adverse, on avance énormément de vision. Niski, le gros paquet, voilà, on en parlait, Knight, on se replace, l'étau se ferme avec un Flaxish en zone orange, Niski qui prend énormément de dégâts, et le premier kill pour Giants, le plus timide. Clay, il va falloir tenir. Clay, limite, il faut claquer un ulti si on veut essayer de défendre cette tour, ce ne sera pas fait, il l'a pas Clay, ah, il pouvait rien faire, effectivement. T1 mid sécurisé par Giants, ça c'est du très très bon. Bon, le dragon des nuages, personne s'y intéresse. Non, on ne care. Et c'est là que vraiment un roulement de Drake un peu plus favorable Giants aurait pu changer peut-être un petit peu le cours de la partie. Là, tu mets un montagne, tu mets un infernal, bah ça bouge en fait. Là où Giants, ils prennent un kill, ils prennent une tour, c'est très bien, mais maintenant on va être obligé de calmer le jeu. Et bah, côté Fnatic, on scale petit à petit, on a ce S qui est en train de remplir sa tears, on a cette Leblanc qui n'est pas forcément gêné, on a cette Rek'Sai qui commence à être très tanky. Donc, et on voit, on se pack au niveau de ce bot side. Après, attention, Giants qui a envie de jouer top, la Kikis en 1v2, on va tenter le steal, ça passera pas par le Memento. Oh, la réception ! Ah, il va pas le tenter, c'est qu'il y a Flaxish derrière. Il a pas la vision sur le Corki qui pourrait être là à tout moment. Et je pense que c'est le choix de la raison pour Kikis, pas de steal pour sa part. Et il continue d'essayer de push un petit peu. Ah, FK shop ? Non, ah, pas cette fois-ci, mais on fait perdre du temps. Au jungle Giants, c'est pour l'instant là Amazing, voilà, qui va couper la retraite, le Unbureau. On prend son temps, il n'y a pas de backup pour l'instant, si c'était Niski qui arrive de très loin, le TP
la croissance prodigieuse, double TP de claquer ici, on se ravise côté Fnatic. Par contre, la T1 au bot est complètement sans défense. Ouais, ce sera sécurisé. On a 5 là sur cette ligne, l'éradication, ce ne sera pas suffisant. Oh la tour. Oh la tour. Il manque un hit. Il manque un hit sur cette tour. Ils vont aller venir le chercher, bien sûr, les Fnatic. Ah, il faut là, attention, il met Memento qui n'est pas là encore. La chaîne d'Arshin de Niski qui prend quelques dégâts. Le barrage Térébran et Kikiz qui a envie d'aller porter ce coup de grâce. Ah, l'outil de Fly. Le go-in de Kikiz. Na est obligé de flash out. Et il y avait le flanking de Memento qui commence à être positionné. Ils n'arrivent pas à venir gratter cette tour. Et non, c'est difficile, hein. Mister Alaise. Est-ce qu'on peut arriver à se commit et à trouver l'auto? Peut-être disengage avec un blink out. On va voir ce que voilà, Mezin là qui très intelligent marque le flanc gauche là, histoire d'empêcher Memento de pouvoir rentrer. Et Giants qui va arriver à conserver cette tour. Bon, belle opération, mais ce n'est que retarder l'échéance, bien sûr. Et puis il n'est pas assez tanky encore Amazing pour faire office de frontline. Problème du start Tiamat, c'est que bah, tu ralentis énormément ton Cinder Hulk et ton stuff tank. Et la tour qui a résisté, ça fait gagner du temps un peu aux Giants. Toujours ce dragon des nuages à 15 minutes de jeu. Le fameux, ouais. Et c'est là que ça fait un peu mal pour Giants qui, on voit, tactiquement, ils ont fait de belles choses avec, bah, pour le coup, un compteur de tour à 2 à 1. Mais en termes de gold, ça ne se ressent pas du tout. Fnatic, bah voilà, première brique plus first blood, ça paye. Plus derrière, un très bon farming de la part de Mister Alaise à 146 en 15 minutes de jeu. Puis voilà, toujours cette problématique du stacking. Alors attention, pour le coup, Kikiz est un peu isolé des taux. On est 4 joueurs côté Giants, on va y aller, on a un gros paquet en plus. Il n'y a pas de flash, il y a le feu explosif. Ça va être compliqué pour Kikiz, il va tout manger. Il a pris le kick et on met tout. Est-ce qu'on peut, sur la carte, ailleurs, essayer de compenser? Non, pour l'instant, ce sont eh bien, les Giants. Eh bien, Ellie, je dois t'avouer que par rapport à ce qu'ils ont montré hier, bah, je trouve ça rassurant pour ce BO. Ouais, ça joue bien. Hein. Attention, ici, le route, ça passera pas. Donc forcément, Mister Alaise en bot side qui devrait pouvoir récupérer cette tour en solo cette fois-ci. 350 gold, mid 1 sur Alaise, attention. Au mid, bonne défense de Plaxish à coup d'Equalizer. Et pendant ce temps-là, côté Giants, eh bien, on continue. On avance sur cette T2 au top. Et ça, c'est une très belle opération. 4 tours à 2 pour le coup. Toujours pas d'écart vraiment majeur en termes de gold. Mais tactiquement, ça va permettre de pouvoir avancer le jeu pour Giants. Ah, enfin, effectivement, le dragon des nuages sécurisé pour les Fnatic. Alors, il y est pas, hein. Faut que Mezing arrive à le finir. Ça va, il y a Rales qui arrive. Petit backup. Voilà, ça c'est vraiment histoire d'eux. On n'avait rien à faire de mieux côté Fnatic Academy. Donc, on récupère ce dragon qui bah, fait toujours plaisir, bien sûr. Du coup, c'est validé pour le coup. Et du côté de Niski, bah, on a fini un Abyssal First noir. Pas d'extake pour l'instant, c'est vraiment excessivement défensif. Je suis pas du tout d'accord, moi, avec. C'est un choix safe, hein, certes, qui peut se comprendre par l'enjeu du match et par la compo un peu compliquée qu'offrent les Giants. Mais un jour, un grand joueur de top lane a dit, dont le nom commence par So et finit par Az. Ça fait So Az, si on attache les deux mots. Merci de le préciser, Noah, on n'était pas sûr. Eh bien, qui avait dit que. Et je trouve ça assez logique que quand tu te fais mener, c'est pas en mettant full stuff tank que tu vas remonter. Et à un moment, il faut prendre du kill. Alors bon, ils sont menés de 100 gold. Mais ils n'ont pas vraiment l'initiative des fights et du push. Pour l'instant, c'est Giants qui mène le jeu grâce à sa composition. Ouais, clairement. Moi, Giants qui fait un bon early game là pour l'instant. Maintenant, côté Fnatic, c'est pas si handicapant que ça en fait. Parce que bon, quand tu gold rush comme ça pour récupérer toutes les T1, tu cherches surtout à créer un gros écart au gold ou un gros écart en termes d'objectifs avec ces fameux dragons dont on parlait tout à l'heure. Et là, bah, pour le coup, Giants, c'est pas vraiment le cas. Maintenant, ils ont encore un deuxième temps fort ici, puisqu'on va arriver sur la phase de jeu sur laquelle le pick-up est roi. Et leur composition d'équipe permet tout à fait ça avec cette hache, avec ce Lee Sin, avec le gros paquet éventuellement du Corki. Maintenant, c'est une phase de jeu qui est dure à mettre en place, d'autant plus que côté Fnatic Academy, on a fait le choix de l'itemisation safe avec cette Abyssal pour le blanc, avec cette Rek'Sai qui va apporter beaucoup de vision. D'ailleurs, Rek'Sai qui est un excellent champion pour pouvoir avancer. C'est l'heure de faire un ange gardien. Hein. Oh, le style du Red Buff. Solide. Pas un moment, toi. Ouais, voilà, le dégât il arrive tard. Ça arrive tard. Bah, la frontline est déjà solide hein, chez Fnatic avec ce Gragas visage spirituel, le Cinder Hulk dont on parlait. Maintenant, pour aller chercher un Ezreal, bah, c'est jamais forcément facile, c'est un des carries les plus safe. Une Zyra par contre, ça croque sous la dent, ça pourrait être une cible de choix pour Giants. Maintenant, il faut accélérer le jeu et tu en parlais, Noah, pendant le pré-show, c'est la grosse problématique côté Giants. Bah là, normalement, le prochain fight est dans 10 minutes, mais les Fnatic ont envie de faire bouger la partie, eux.
Voilà, ils prennent du map control, ils tentent de venir contester ce red buff. Et on a le 1-3-1 qui se met en place petit à petit là chez Fnatic. On a en tout cas Niski qui est parti ensuite en bot side. Kiki n'a pas grand intérêt à rester top dans la mesure où on n'a pas réussi à avancer tant que ça la vision autour du red buff de l'équipe adverse. Mais voilà, on se répartit sur la carte, on continue d'engranger des ressources. Côté Giants, pour l'instant, on reste un peu sur, sur la défensive. En fait, on attend, on laisse cette hache farmée. Flaxish sans poids au dépouche. Alors attention Flaxish à ne pas overcommit. On a vu que le réseau de vision Giants topside n'est pas forcément transcendant. Sachant que bah, on a de quoi engager aussi, hein, mine de rien, chez Fnatic Academy, avec ce Gragas, avec cette Leblanc et Niski, hein, qui n'hésite pas à bouger en duo avec cette Rek'Sai. On cherche le Rumble, bien sûr. Ouais, pour l'instant, le Rumble, il est sous sa tour, à la T2, et il attend patiemment. Je dois avouer, pour ne pas vous le cacher, être parfaitement transparent, que ça manque un petit peu d'activité dans cette partie. Ouais, là, voilà. C'est le là, il est 17h36. C'est l'heure de la digestion espagnole et on est très largement regardé du côté de Madrid. Et voilà, on sent que des spectateurs commencent à décrocher. Ah, il y a une odeur de sieste. Quand c'est comme ça, j'ai regardé un reportage sur les camionneurs qui traversent la Sibérie. Et le cocktail, pendant que Mazing va se faire tuer, c'est Red Bull Café Coca. Ah oui. Et ça marche. Ah bah oui, par moins 40, il faut au moins ça, je pense, effectivement. Intéressant. Et en tout cas, joli pick-up là, de la part de Giants au passage. C'est ce qu'il leur fallait, hein, voilà. Un pick-up sur cette Rek'Sai avec le kick, avec le Q. Ça passe sans problème maintenant, il faut transformer ça. Et ça pourrait partir peut-être sur un push au niveau de cette T2 mid. En tout cas, on avance la vision. Attends, ça ping Nashor chez Giants. Oh, le call Nashor. Oh, mais c'est complètement vu par contre. C'est bait, c'est du trap. On voit Kikiz. On va trap Kikiz. Ah, il est vigilant. La flèche de cristal, ça ne touchera personne. Ah, effectivement, attention ici, flash out pour Kikiz. Bon bah côté Giants, on arrive à gratter du summoner, hein, c'est pas mal. Bah c'est vrai que là pour le coup le cocktail Red Bull, café, coca et j'en passe pour Giants, ah, ça pourrait être une arme à utiliser. Un là, peu hein. De Guronzan et on y est. Nickel. Les mecs ils doivent être... Genre leur cœur, il doit exploser au bout de 10 ans d'un régime pareil. Ah ouais, je pense qu'être camionneur en Sibérie, c'est pas le métier le plus facile. Hein. Non, clairement. Très clairement. Bon, pour le coup, un partage très intéressant. Bah, il se passe des choses, loin. Il se passe des choses. On a vu une belle arrow qui n'a même pas eu besoin d'être flashée. Mais Giants domine. Giants, c'est là. 500 gold. Et en même temps, j'ai l'impression que Fnatic, ils attendent les 6 stacks d'items avant de faire quoi que ce soit. On attend un peu de stuff. Voilà, Mister Alès qui a fini sans double item. Et on a la BRK, on a le Mana Moon. Bon, on va attendre bien sûr le timing de Muramana pour Fnatic Academy. On commence à préparer la vision sur la jungle bot side côté Giants. Forcément, on a un petit dragon des montagnes qui lui pourrait permettre peut-être d'accélérer un petit peu le jeu. Maintenant, mais on va attendre. On va attendre. En tout cas, Giants a bien posé sa carte. Même sa map au niveau sur la des dragons, c'est-à-dire qu'il n'y a rien qui a été fait. On a pris le premier dragon à 16 minutes de jeu. Le catch sur Knight, on va essayer de suivre peut-être, non? Pas dans la... Mince, trou de mémoire. Pas dans Valkyrie. L'attention. Ouais. Merci, pas dans la Valkyrie. C'est le nom du sort que je recherchais. Ouais, compliqué. Bon, bah Knight qui recule là et Fnatic qui respire un petit peu. Ce dragon est live. Memento qui s'emploie d'ores et déjà pour récupérer l'objectif. Attention au Kiki sauvage là, ici, qui pourrait venir semer un petit peu, faire les troubles faites. Memento qui doit reculer, le call Nashor. Pour Fnatic Academy sans aucune pression à base de ward de contrôle. Le Mazing qui prend quand même pas mal de dégâts. Niski qui vient bloquer ici, qui fait rempart de son corps sur Slyn. Un petit mid life. Ouais, mais c'est ambitieux hein, comme call Nashor. Surtout en blue side, quand c'est facilement défendable voilà, de l'autre côté du pit. On n'a pas la solution. Et je les trouve endormis. Je les trouve endormis, Fnatic. Ah ouais, c'est digestion espagnole dont tu parlais. Hein. Battons-nous vite, est-ce que ça va faire bouger quelque chose? Est-ce que Niski va commencer à chercher plus d'agression? Bah on voit, il tente des petites phases. Après, on l'a vu, hein, le Corki avec Ice Drinker, ça bloque. Du côté de Sling, pour l'instant, je pense que cette Lulu apporte trop de shield. On a 3 niveaux d'écart, certes, mais est-ce que c'est vraiment suffisant? C'est là le problème de l'Abyssal en fait. Avec un Extech, là, Leblanc, elle a le potentiel de kill sur, je dirais, au moins 4 des 5 joueurs Giants, ce n'est pas plus. Là aujourd'hui, à part bloquer, à part essayer de mettre un peu de dégâts et faire peser une menace, on va dire en dilettante,
Il n'y a pas grand chose à faire. Puis derrière, c'est Trek'Sai full tanky. Pas de potentiel d'assassinat non plus. Donc on attend vraiment en fait que ce Ez soit dans son pic de confort, enfin son pic de puissance peut-être pour Fnatic Academy, là où c'est à Giants d'accélérer le jeu. Et même si on sent leur tentative, bah pour l'instant ça ne se paye toujours pas. Mais c'est l'équipe qui est très lente de base, Giants. C'est très très long, on l'avait dit avant le match. Ils ont beaucoup de mal à accélérer dans les parties. Et ça leur coûte leur place en LCS. Hein. Parce que je mets toujours le moment où Fnatic va arriver, Nissi va faire une sortie, il va faire une agression, il va réussir à pick-up, même si on a une flèche de cristal pour EQ. Par contre, il y a un gros trou dans le map control. Hein. Il y a un très très gros trou dans le map control. Et là, Clay, il est un peu en train de se faire dessus à l'idée de devoir aller des wards. Attention au catch sur Amazing. Oh là, Rocky raté. Oh là là, c'est dramatique. Et ça, en fait, ça c'est le gros problème Giants. Hein. C'est deux arrows ratés coup sur coup en mode vraiment précipité, je trouve, un petit peu d'une certaine manière. Il a flashé carrément pour mettre sa glitter lens et sa pouletisation. La fameuse. Bah ouais, c'est précipité. Pour moi, ça manque un peu de précision ici. Et puis regardez, bah, Fnatic Academy, il n'y a pas de vision, mais c'est pas un problème qui kiss. Il met sa présence sur le bot side. C'est un Gragas qui bénéficie d'un héros de la faille. Donc t'as pas vraiment le luxe de te dire, allez, c'est pas grave, c'est un Gragas, ça pousse doucement. Non, non, non. Il arrive au corps à corps de ta tour, mais une grosse claque. Ça pousse très vite les vagues de sbires et c'est très difficile à attraper. Sachant qu'on cross map, bah derrière Giants avait réussi à avancer une grosse partie de map control. Maintenant, Fnatic Academy reprend petit à petit le contrôle de la zone et on en revient au point de départ. Mais après, ça aurait été rentable si un flash était parti du côté de Clay et s'il n'avait pas tenté de l'avoir et de le tuer, de le contrôler à tout prix. Et le truc, c'est que, et comme ça tu recommences et au bout d'un moment, il n'y a plus le flash pour Clay pour esquiver la flèche de cristal. Mais là c'est un petit peu gâché. Et du coup on abandonne la formation, on laisse les Fnatic reprendre le map control et remettre la pression. Les Fnatic se servent pas assez de leur 1-3 hein, à mon goût. Je suis assez d'accord avec toi effectivement. Bah ça c'est notamment la perte de la T2 top assez tôt dans la game hein, qui fait que bah, ça prend toujours beaucoup de temps de remettre les sbires côté Fnatic Academy en position offensive. Oula attention ce TP ici, la Valkyrie in the night, on met un petit peu de dégâts sur Amazing. Et c'est un TP encore contestable en fait, c'est plus un TP défensif ça qu'autre chose. Et regardez, Fnatic est encore en train de mener la rotation. Et là ils ont interrompu, là ils peuvent pas passer par là. Les Giants c'est trop dangereux, pas avec Igis qui garde le passage. Et c'est une tour qui prend très très cher et ce sera gratuit. Oh l'arrow, ça passe sur Ralez. Ouais mais c'est défendu, Amazing qui s'interpose. On va disengage le kick qui ne permettra pas de toucher Ralez derrière. Et c'est quasiment une T2 qui a été prise par les Fnatic. Alors que c'était encore une phase de jeu mise en avant par Giants, toujours ça manque de précision. Les Fnatic Academy, ils sont sereins là, ils sont tranquilles. Hein. Ils ont le dragon des montagnes, ils ont le scaling pour le moment. On a le S qui va enfin avoir sa meilleure mana, je pense, sur le prochain bac avec certainement une trinité. Allez, ça poke et voilà, Nice qui à base de distorsion in, T2 validé. Plus T2 mid pour conserver la vision, ça va être un gros souci. Et là, il n'y a pas de TP sur Flaxish. 1-3-1. Tout de suite, maintenant, Nice qui en bot side, ou Kikiz. Et vice versa en top. Les ping quads autour du Nashor, on met la pression. Il faut, il n'y a pas le choix. Et voilà, ça y est, on a cette meilleure mana pour Ralez. Donc là, je pense aussi l'une des problématiques qui faisait que Fnatic Academy ne voulait pas trop 1-3-1, c'est qu'on avait besoin de Niski avec le reste de l'effectif pour pouvoir mettre de la pression. Pourquoi? Parce que Ralez était encore son timing peut-être un peu trop faible. Maintenant, ce n'est plus le cas. Ralez a les armes, il a le potentiel offensif vraiment pour gêner cet effectif Giants. Donc là, le 1-3-1, il n'y a plus d'excuses pour ne pas le mettre en place. Sachant plus qu'on a une baguette trop grosse derrière pour Niski, qui a une capacité à détruire les tours qui va être assez intéressante. Même si j'aurais aimé voir une Leblanc Lich Bane Gunblade là dans ce genre de partie, je pense que c'est vraiment ce genre d'itémisation qui aurait pu permettre d'accélérer un petit peu le jeu. C'est lent. Ce sera le mot du jour, c'est lent, pas content. Fnatic en plus, ils ont un style de jeu qui est agressif. Je comprends, il y a l'enjeu, on verrouille, je comprends. Oh, tentative de Kiki sur un feu explosif, il vient prendre le flash de EQ. C'est parfaitement rentable comme move. Et puis il y va nature, hein. Vraiment c'est... Ah, une hache un peu avancée, excusez-moi. Je vous balance mon petit tonneau de bière. Et c'est un flash contre rien du tout, quasiment un ultimate. Attention, ici ce barrage terrible qui va gratter le coup de pilote dans tout le monde, mais il n'y a pas de follow-up, c'est dommage. Et le kit derrière, il le renvoie dans toute son équipe. Ça gratte un peu là, mais Knight est quand même mid-life. Côté Fnatic Academy, dash in de Niski, on gratte encore un petit peu et on fait avancer cette vague de sbires sur cette mid lane. Et on refuse de jouer en 1-3-1 chez Fnatic. Hein. On a juste envie de jouer un teamfight en bataille rangée classique. C'est pas forcément la tactique la plus intéressante. Après, attention, il y a un énorme slow push en top en faveur de l'équipe bot side.
au niveau de cette botlane, justement, Kikiz va s'employer pour avancer la lane. Niski, toujours, qui fait le passeur entre le gros de l'effectif Fnatic Academy et le speed pusher. Memento doit reculer et cette TD au bot pourrait être menacée là, peut-être noir. Les Jets commencent à perdre le contrôle. Hein. À force de rien faire et de pas snowball sur un early game fort, pour moi c'est l'histoire de ce BO qui est en train de se dérouler sous nos yeux. C'est-à-dire des Giants qui vont essayer de draft agressif, et vu qu'ils ont du mal à snowball et du mal à accélérer la partie, ils vont se faire manger par Fnatic qui verrouille. Jusqu'au moment où quand Fnatic aura deux matchs d'avance, ils vont prendre un truc stomp et ils vont finir la dernière game en 25 minutes. Peut-être, ouais. C'est cool. C'est annoncé, très bien. Les balls se sont posés sur la table de cast. Les tamponnes. Oh là, attention, le flash out de Sneen, ici la chaîne. Niski dash back, Sneen qui prend énormément de dégâts. Cloué sur place, l'arrivée de Kikiz. Il n'a plus son ulti, le flash out de Momento. Et là, c'est un Nashor qui ouvre ses... J'allais dire ses bras. Ses tentacules. Qui ouvre ses tentacules. Ah oui, là, clairement. Après, attention, il reste encore un equalizer pour Flaxi. On va se mettre en position. Amazing, là, qui est en train de deny la position. Knight, un tir HP en moins. Et là, Rookie part, bon, qui touchera sur Ralez. Equalizer qui est pas mauvais. Attention, Ralez qui prend très très lourd. Oui, Kiu qui est venu s'empaler sur Niski. Amazing, le kiting. Flaxi arrivera à prendre un kill, peut-être même deux sur cette auto-attaque. La défense du Nashor est faite. Est-ce qu'on peut prendre du kill? Niski qui a failli se faire des pop par Knight. L'arrivée de Kikiz. Le slow, la rédemption. Ouais, mais... Il n'y a pas de mana sur Knight, il n'y a pas de mana et c'est du 2v3 pour l'instant. Memento là sur Amazing, on gratte un petit peu Steam qui va arriver, mais on va en rester là. Et belle phase de jeu pour Giants ici qui permet de gagner du temps. Par contre, attention, cette T2 au top, voilà, est tombée vis-à-vis du slow push dont on parlait tout à l'heure. Et on a également un Dragon des Montagnes à disposition, donc c'est pas si dramatique que ça pour Fnatic. Non, il faut tout de même tenir un petit peu la défense. Kiki s'y va remettre de la pression en bot side. Et on va revoir ce fight. Niski, belle position de flank là, qui fait la différence sur Austin, qui n'aura pas de porte de sortie. Malgré un bon kick et le fuit encore de Kikis qui split l'effectif Giants. Ralez, on voit, hein, qui commence à bombarder. Et derrière, la défense héroïque d'un Flaxish qui, bah voilà, le bon soldat. Le bon soldat qui a su trouver la synergie. L'indication est vraiment bonne là, pour Flaxish. Allez, Mister Ralez, qui se fera un petit peu chasser. Il a grillé son flash, Ralez. C'est dommage, je pense qu'il aurait pu effectivement éviter de tomber ou en tout cas de prendre autant de dégâts sur cette éradication. Ouais, le dernier teamfight, c'est vraiment Flaxish qui a tout fait. Ouais, 4k9, hein, c'est loin d'être mauvais. Et on notera Ralez à 5k3 quasiment. Commence à bombarder, voilà, Trinité qui est terminée. Une petite BF derrière, histoire de rajouter un pool d'AD non négligeable. Sachant qu'en face, il n'y a pas d'armure du tout. Alors attention, là, voilà, Kikis qui a envie de rentrer. Le fût qui est un peu raté. Niski encore qui trouve un très bon route sur Usnin. Fly. Il force l'ulti, l'arrivée de Mister Ralez, transfert arcanique, il prend l'éradication et la flèche de cristal, il se fait instant. Et Niski peut plus trop rentrer, on n'a plus trop de dégâts pour les Fnatic, il serait peut-être temps de disengage. C'est dangereux comme fight. Oh, Kiki se retourne. Ouais, mais Niski peut pas rentrer, s'il rentre, il se prend n'importe quoi, il meurt. Ouais, c'est difficile effectivement, en tout cas, jolie route là pour Clay qui trouve le lock sur Knight, belle rotation de contrôle et encore un Ralez un peu greedy dans son positionnement et qui meurt avec son flash, ça fait la deuxième fois. Attention, un flash bien calé aurait pu changer complètement la donne de ce fight et on en restera sur une phase de 1 pour 1. Giants respire, réavance la mid lane. Derrière, on va pouvoir reprendre un petit peu de ma contrôle Flaxish, et on en revient au point de départ noir. Flaxish fait un énorme boulot sur son rumble. Hein. Il met un petit peu mal les Fnatic que je trouve un petit peu moins bon qu'hier. Ok. Voilà. C'est dit, mais c'est vrai que c'est un Flaxish là qui c'est dit poliment. Polo. C'est dit poliment. Oui. Ah, on a le droit d'en avoir une petite paire de régime entre une journée, d'une journée à l'autre. Ouais, en fait, je veux qu'il se lâche un peu. C'est tellement plus fort quand il se lâche un peu. On l'engage qui est un peu précipité aussi, hein, côté Fnatic. Et là, regardez ce route. Mister Ralez, impeccable, et la flèche de cristal. Ah, il peut pas impeccable fâcher. Et Amazing en fait qui disengage. Et du coup. C'est Mister Ralez qui est derrière, qui n'a rien demandé à personne, qui se la prend plein de poire. Bah, le combo kick, donc, tu te prends ta frontline, donc tu prends énormément de dégâts, plus arrow derrière, plus éradication, effectivement, même avec le flash, il n'y a pas de counterplay. Et encore, regardez, top damage de ce fight, Flaxish, qui donne tout avec son rumble. On comprend un peu plus la priorité là sur ce pick côté Giants.
Maintenant, ça ne suffit toujours pas pour débloquer cette game puisque c'est Fnatic Academy qui lead les débats pour l'instant avec 3 cagoles d'avance et toujours ces deux dragons, dont ce dragon des montagnes hein, qui permet d'engager Nashor rapidement. Attention, Kikiz là. Ouh, c'est ambitieux ça. Oh, Kikiz. Oh, il est tanky. Il est très très bien joué cristal. C'est ce Kikiz avec la téléportation effectivement. On va essayer de finir le tank des Fnatic Academy qui va disengage Kikiz, ça lui coûtera son flash. Elle était un petit peu loin la téléportation de Flaxish. C'était un peu à l'autre bout de la terre. Ouais effectivement. Et bon derrière ça aura pas trop de conséquences hein, sur Fnatic. Et on voit Niski qui se permet même le luxe de revenir à pied avec son rabadon en poche maintenant. Par contre ça manque cruellement de pénétration magique au vu du stuff Giants, double Exrinker, il y a du Banshee. Il y a de l'abyssal. Ça va être un problème pour arriver à les passer. Il va falloir se reposer sur Ralaise encore et toujours. Hein. Ces deux équipes qui se font face sur cette mid lane. On commence à arriver sur un petit mode Aram. Attention à Nice qui toujours. Position de flank. Amazing qui a envie de rentrer. Valkyrie out. Le Unbureau sur Memento. Les dégâts. Memento qui tombe. L'éradication qui est bonne. Amazing qui prend la sauce. Nice qui est obligé de dashback Ralaise. Flash oh, out. Oh, de Kikiz. Flash out instantané. De Nat qui se repositionne. Niski encore sur le côté, et là, ça manque de quoi? Ça manque d'un tank. On arrive en late, il n'y a pas de tank. Amazing, il arrive en frontal, il engage, il passe le relais à Kikiz qui réengage. Pas de tank, pas de chocolat, pas de victoire, pas d'LCS. C'est fini, c'est pété. Pas de sous, pas de contrat. Chômage. Pas de gloire, pas de femme, pas d'argent. Institution. Voilà. C'est la fin. Oh là, le Steen. Oh le Steen. Qui se fait catch encore Niski, hein, qui a vraiment fait des pieds et des mains dans cette game pour arriver à débloquer la situation. Et voilà l'inhibiteur validé pour Fnatic Academy qui est en train de se voir dérouler le tapis rouge pour aller prendre cette game 1. On va revoir cette excellente teamfight en deux temps. Un premier bait d'Amazing sur Memento, voilà. Sneak n'était pas en position, une croissance prodigieuse aurait pu faire du bien. Et Ralaise encore toujours très offensif avec son Ezreal, bien protégé par un Kikiz. Et gros boulot de Niski sur le côté aussi. Et les tanks, hein, la double frontline, les doubles tanks des Fnatic qui permettent d'encaisser le Baron Nashor et sécurité. Et les Fnatic vont pouvoir aller au bout de cette game. C'est tout en douceur. Ah oui, ça a été fait de manière professionnelle, voilà. On savait quel était le plan de jeu chez Fnatic Academy. On savait qu'il n'y avait pas besoin de se précipiter. D'autant moins face à un Lee Sin, d'autant moins face à un Corki. On stole sa game, on prend le stuff optimal de telle manière à ne pas être sensible aux dégâts adverses et puis on attend le power spike, ce fameux 3 items pour ce Ezreal. À partir de là, le bouton d'accélérateur s'est fait enfoncer et ça déroule, c'est quasiment 7 cagoles d'avance pour Fnatic, 7 mana Nashor à disposition, le 1-3-1 qui n'a même pas eu besoin d'être utilisé j'ai envie de dire pour arriver à prendre cette game 1. Maintenant bon, on n'est pas à l'abri d'un teamfight épique de Giants hein, mais j'avoue que j'ai du mal à y croire droit. J'y crois pas un seul moment. Et ça y est parti, on va aller prendre cette bot lane, le barrage Térébrant, la flèche de cristal. Ah, ça lui avait manqué tout à l'heure, hein. Il avait fait l'affront de partir de sa BF avant sa QSS, ça lui avait coûté un fight, un Mister Ralaise, et il est rentré dans le droit chemin, le chemin de la sécurité. Ouais, il est très bien là, puis même la Zyra derrière de Clyde qui va pouvoir deal massivement avec son Yandri, un début de bâton du vide en préparation. Alors, tout va bien dans le meilleur des mondes, on utilise même les plantes intelligemment là pour backdoor cette tour. La frontline qui tank sans aucun problème, voilà ça passe. On a également un slow push qui est en place au niveau du top. On a l'Elder qui arrive dans 10 petites secondes. Autant vous dire que Fnatic Academy n'a que l'embarras du choix pour finir cette game. Il y a eu deux dragons dans cette game, c'est vraiment extrêmement peu. Ça prouve à quel point les équipes n'ont pas voulu prendre de risques à aucun moment. Et on va avancer sur cette T3, la catapulte qui commence à poke. Mister Ralaise, les dernières autos, ça passe, l'inhibiteur, Giants, c'est un moment où il va falloir sortir. Giants, c'est un moment où il faut all-in, deux inhibiteurs, on sait que c'est quasiment irremontable. Ouais. Un moment, il faut all-in. Ouais, il faut y aller, je suis d'accord, ouais. Il faut y aller, la roue qui va pas tarder à revenir. La QSS qui est pas encore disponible, ça pourrait être angle d'attaque hein, peut-être pour Giants. Il faut trouver le snipe, là, beaucoup de choses qui reposent sur EQ. Attention, Niski qui dash in, on proc le Banshee Veil, le fût. Et l'inhibiteur qui est validé, Giants qui est spectateur. Il nous fait une Dignitas de l'ancienne époque. La Dignity maintenant. C'est le croisement entre Dignitas et Vitality. Oui, ah oui, j'aime beaucoup. Ouais, parce que je pense qu'à un moment, on peut pas laisser toute la gloire à Dignitas. Certes, ils ont inventé le style, mais Vitality l'a sublimé. Clairement. Et voilà, bah, Fnatic Academy qui, ici en bon élève, récupère ce dragon ancestral. Voilà, qui va démultiplier ce petit dragon des montagnes. Donc, encore une grosse phase de push, on va peut-être s'y reprendre à deux fois tout de même, je pense pas que sur ce timing elder on puisse finir la game à moins d'un overcommit de Giants. C'est vraiment sans surprise. C'est,
sans surprise, on prend une draft pour Giants pas ambitieuse. On n'a pas les, on n'arrive pas à snowball, on n'arrive pas à avancer, on n'arrive pas à conclure une game. Et derrière, on se fait bouffer parce que on est moins bon. C'est terrible, hein. C'est, on le dit. Et ça arrive. Et ça arrive. Il n'y a aucune surprise. C'est vraiment le plan. Il est là, il est limpide, clair comme de l'eau de roche. Ça me fait mal au cœur pour Giants, hein. Mais il y a un moment, il faut se diversifier un peu. Il faut renouveler, il faut s'adapter à la méta, il faut s'adapter au changement du jeu, parce que sinon c'est une descente aux enfers. Et on voit le coach à Giants qui est en train d'avoir le pouls qui s'accélère, vite trouver une solution. Et effectivement, jouer un jeu plus libéré pourrait être intéressant. Parce qu'on voit quand même de belles choses chez les Giants. Hein. Mécaniquement, il y a eu des trucs qui étaient sympas. Je pense à Flaxish qui était vraiment bon sur son Rumble. Maintenant, quand tu prends à la régulière une équipe qui a un meilleur effectif, qui a mieux travaillé, qui a montré de meilleurs résultats, ça peut pas marcher en fait. Et surtout pas dans un BO5 qui est un exercice de régularité. Là, il faut trouver la petite pépite, jouer le cheese, sortir du pocket pick. Et puis jouer, une fois de plus, libérer, tenter des choses peut-être un petit peu improbables, mais au moins les tenter. Parce que là, pour le coup, c'est perdu pour l'instant, Giants. Clairement. Flèche de cristallisation, il sera à l'aise. C'est purge instantanément. Et on va perdre sans n'avoir rien fait, rien tenté. L'éradication, c'est trop tard. Il y a déjà 11 cagoles de retard. Il y a la frontline qui est devant. Et on commence. On n'a plus qu'à attendre les vagues de Megasbir. Un inhibiteur qui a repop, mais c'est terminé, oh là là. C'est terminé. IQ qui tente tout, hein, qui sort un joli hit and run ici, mais voilà, doublé pour Ralez, 1 pour 4. Et game 1 en un peu moins de 41 minutes de jeu pour Fnatic Academy. C'était académique. Clay s'est levé, il est parti, il n'y a plus rien. Il s'en va, Clay. Allez, salut. Salut. Je m'en tape. Ah là, c'est vrai que c'était vraiment une formalité. J'ai l'impression de les avoir vus remplir le formulaire d'admission aux États-Unis. On le fait, c'est un peu relou, mais il faut le faire. C'est exactement. Je m'étais toujours demandé si tu coches toutes les cases, toutes les mauvaises cases. Parce qu'il y a vraiment des questions. Avez-vous participé Les mecs rigolent pas. Je ne nommerai pas. Avez-vous fait des crimes, perpétué des crimes contre l'humanité? Oui, je fais cocher oui dans la case. Évidemment, on va voir ce que ça donne à la douane. Je pense que c'est le meilleur moyen de s'offrir une visite guidée de Guantanamo. Oui. Et de goûter leur magnifique gastronomie. Le guacamole. Ouais, la biscotte. Ouais. Et toute une variété de sandwichs plus ou moins exotiques. Mais bon, Giants, Chips, qu'en as-tu pensé? Est-ce que c'est pas exactement le scénario? J'ai trouvé. Honnêtement, je trouvais la façon de jouer Giants en early assez intéressante quand même, avec un memento je trouve un peu plus affûté. Les prises de tour en early game étaient pour Giants, et c'est vrai que je me disais c'est pas l'early qui pose un problème. Je me disais ils sont là et tout, et qu'est-ce qui s'est passé après? Alors par contre, il y a un truc qui m'a frustré dans ce match, et je crois que c'est parce qu'en ce moment je suis tilté, mais le dragon des nuages, sans déconner, c'est chiant en fait. Ouais. C'est chiant parce que ça bloque les games, personne veut le faire. Une game avec des dragons, avec un dragon infernal, c'est tellement plus animé en fait, c'est tellement plus sympa. Là, tu vois les mecs, juste, ils s'en foutent du héros de la faille, ils s'en foutent du dragon des nuages. Please, un truc contre ça en fait, parce que c'est trop bête qu'un truc random, une game sur deux, te tue le suspense de l'early game. Je trouve ça nul en fait. Et maintenant, ça me frustre. Donc j'aimerais bien qu'il y ait un truc qui soit fait pour ce dragon que personne ne veut prendre. Il faut changer quelque chose parce que vraiment c'est trop bête. C'est de la RNG qui rend des early games inintéressants. Et ça, c'est pour Giants, bonheur la chance. Ça a une énorme répercussion parce que tu te disais, ils arrivent à Gold Rush à récupérer les 3 tours très tôt. Du coup, ils ont le temps de prendre les dragons. Et tu mets un scénario de dragon infernal ou de dragon des montagnes, par exemple. Il y a plus de pression. Tes choix de push-top peuvent avoir des contreparties. Il y a quelque chose qui s'installe. Là, avec un dragon des nuages, il n'y a rien qui s'installe. Tu n'as pas l'impression qu'une équipe peut être énormément punie. Et j'avoue que c'est pénible, honnêtement. C'est pas drôle à regarder quand il y a un dragon des nuages en early game League of Legends. C'est pas drôle. Surtout quand les équipes font aucun effort. En plus. Non, parce qu'après, il y a de bonnes games où il y a des dragons des nuages. Mais je veux dire, le fait d'avoir un dragon plus rentable,
quand t'as un dragon infernal, ça a rien à voir un match en fait. Tu sens l'hésitation des joueurs quand ils font des choix sur le top side de map, tu sens la pression dès que les mecs vont du côté du dragon, t'essaies de faire check, il y a des trucs qui se passent. Et Dragon des Nuages, t'as pas ça en fait. Enfin, pour des équipes comme ça qui ont peut-être pas envie de tout donner en early game, ça les force pas à atteindre leur plein potentiel en fait et à prendre tous les risques possibles. Et je trouve ça dommage. Parce qu'après, voilà, par exemple, en Corée, entre les meilleures équipes, même si t'as un Dragon des Nuages, le match reste super à regarder. Mais dans des régions où on est moins bon, en fait, les mecs se disent « Ah bah non, pourquoi je prendrais des risques ? Autant faire tout doucement, quoi, et vraiment assurer mes calls. » Donc ouais, ce Dragon des Nuages m'énerve. J'espère qu'il n'y en aura pas en premier pour la prochaine game. Mais c'est vrai que c'est un peu ce qui s'est passé, hein, cette tranquillité. 100%. Moi, je regardais, je suis là, mais s'il y avait un dragon infernal, ça aurait été super différent. Bon, après, ouais, peut-être qu'aucune des deux équipes l'aurait. Une équipe l'aurait prise, l'autre l'aurait pas défendue. Peut-être, mais au moins, ça donne de l'enjeu. Ça a un impact pour ton mid-game aussi. Chose. Ouais, non, mais pas d'enjeu, tu oui, vois. Oui, mais je pense vraiment que les Fnatic n'ont pas envie de prendre de risques et les Giants ne sont pas capables de finir une game. Donc, de toute façon, les parties sont vouées à être lentes. Sauf qu'en Fnatic aura assez d'avance pour se dire je peux prendre des risques et pour torcher une partie. C'est un peu mon avis sur ce BO. En tout cas, peut-être qu'on aura la réponse justement après la pub qui va arriver bien tout de suite. On se retrouve dans 5 minutes. Retour directement dans la draft, deuxième match, après une partie qui m'a un peu laissé sur ma faim. Oui, et on attend plus, mais honnêtement, un match d'entrée de BO, ça peut aussi être un peu lent parce que les équipes se jaugent, il faut qu'elles rentrent dans leur confrontation, il faut un peu chauffer, etc., se mettre dans l'ambiance, bref. Donc on va voir ce que ça donne, la phase de draft est lancée, Noah, et eh bien écoute, j'ai hâte de voir ce que nous concoctent les deux équipes, en tout cas ce qu'elles nous ont concocté. Rengar à l'Ale Blanc de Niskia et Teban cette fois. C'est marrant parce qu'au début, la draft des Fnatic Academy, je regardais, je me disais double tank, est-ce qu'ils vont pas souffrir? Et en fait, juste leur tank leur ont donné le temps, donne le temps alors qu'ils arrivent de mettre des dégâts et ils sont un peu plus justes sur leur façon de jouer. Ah! Oh, par contre, ça va pas être un tank pour Kikiz. Hein. C'est un Maokai au top. C'est risqué de faire ça parce manger. Que Kikiz, c'est un gros speed pusher. Ouais. Il peut pas prendre un Maokai direct comme c'est ça. C'est pas en first pick. En plus, Maokai en first pick, ça fait pas de sens. Je peux concevoir Maokai actuellement, mais genre pas en first pick. Ouais. T'attends de savoir par contre, Malza, good. Good choix. Parce qu'en face, entre Fizz, entre Kennen, entre Akali, il y a quand même quelques picks qui te permettent. De crush Maokai en lane, ouais. Il y en a pas mal. Hein. Lee Sin qui pique côté Memento. Qu'est-ce que t'as pensé sur Lee Sin sur le match hein? Hier, on l'avait vu, il avait fait quelques trucs intéressants. Mais en fait, moins, mais tu sens qu'il a quand même des dispositions. Il n'y a pas un joueur à blâmer chez Giants, c'est une stratégie globale que je blâme. Ouais, arrivé au mid-late game, c'est vrai que l'équipe a un peu de mal à trouver des options de jeu sur la map. Ezreal de nouveau pour les Fnatic, et cette fois-ci avec une Zyra.
Attends, mais ils avaient joué Zyra sur la masse. Oui, c'est exactement la même chose pour l'instant. C'est bien ça. Alors, la suite. Qu'est-ce qu'on prend du côté des Fnatic ? Est-ce qu'on prend la jungle ? Ou est-ce qu'on... La Rek'Sai de Amazing X ? Est-ce qu'on met une priorité sur la jungle ? Ah, Camille. Camille. Sachant qu'elle n'a pas été jouée par Klai cette saison, c'est exclusivement pour Kikiz pour l'instant. Même si on sait que c'est flexible, mais ouais. Zyra, donc ça ne le sera pas, autant pour moi, ce sera au top. Ouais, ce sera top, effectivement. Donc Kikiz va cette fois-ci jouer un gros speed pusher. Ça va faire bouger les choses. Ah, Flaxi. Avec un Renekton, avec un Malzahar, ça va faire bouger les choses. Je pense qu'on peut essayer d'anticiper, si c'est pas ban, une hache ou un Varus pour EQ, sans trop prendre de risques. Déjà, je trouve que ça, on cesse plus d'opportunités pour Giants. Et voilà, quitte à prendre des drafts d'early game, bonne pour prendre des tours, etc. Autant jouer vraiment cette carte à fond et essayer de snowball et de s'offrir des possibilités de snowball. Je suis déjà plus convaincu. Alors surtout que c'est pas le premier Renekton de Flaxish, c'est un pick, il a joué quoi, 5 fois ? 5 fois. 5 fois. Il a quoi comme KDA dessus ? 1,3. C'est pas énorme. Après, j'ai pas de mauvais souvenir du Renekton de Flaxish. En même temps, pour avoir vraiment un mauvais Renekton, faut aller le chercher. Le pick est tellement dominant dans la plupart des match-up top. Et normalement, contre Camille, il a l'avantage. Ouais, il s'en sent très très bien. Bon, après, voilà, il a l'avantage pendant 20 minutes. Oui. Ça reste. Bon, ça dépend aussi de si la Camille prend un kill ou autre. Oui. Ça, on le sait tous. Alors, du coup, ban Elise côté Giants, forcément, on tape dans le pool de champion d'Amazing. Et ban Rek'Sai. Ah, Amazing. Qu'est-ce que tu vas nous jouer ? Pourquoi pas son Gragas Jungle ? Du coup. Pourquoi pas ? Après, contre ici, t'as pas l'avantage de la pression en early. Et une hache côté Giants. Ah, le H Malza. Ça, c'est une duo lane qui met énormément de pression en early et au niveau 6. Et sinon, alors il y a un Lee Sin, mais Kindred. Sinon, il y a le Olaf. Bah, Lee Sin, pas possible. Non, Olaf. Vu qu'il y a un Lee Sin en fait en face, la Kindred peut se rencontrer avec un kick. Ouais. Mais je pense que Kindred, on en parlait un peu avec Imso. On aime bien le pick. Jungle. Bah, il fait des trucs assez uniques en tant que jungler en fait. Cette ulti notamment n'a pas d'équivalent dans le jeu et donne lieu à des phases. Notamment j'aime bien les fights et les escarmouches vraiment avec l'ulti de Kindred parce que tu bait pour obtenir le heal et tu tentes en général d'escape au dernier moment ou tu reviens au dernier moment pour prendre la zone. Il va prendre le Olaf. Ouais. D'accord. Sans speed up dans l'équipe, c'est pas optimal. Ils peuvent toujours rajouter un Zilean sur la mid lane. Oh, il n'en rien à. Ça apporte un plus. Effectivement. Allez, donc, nice. Harry. Et là, on a une draft qui peut casser les Fnatic en deux. Parce qu'ils ont un early game qui est lent. C'est très très lent. Ah, Cassio finalement côté Fnatic Academy. Et je reste sûr. Oui. Oui, mais bon. Xinapé mid. Tout à fait. Premier item Don Nashor. Harry. Petit Harry. Ouais, Harry, ça, comme tu le dis, ça a l'air d'être. Petit Talia, petit Harry. On pique un Victor. C'est plus lent pour le coup, mais ça assure un gros champion de wave clear. Mais c'est plus lent, mais vu que tout le reste de la draft est assez rapide et assez compétent en early, en tout cas il y a du pick-up au moins pour H, Malzahar, un Renekton qui domine, pourquoi pas. Là où effectivement la draft Fnatic Academy, Cassio, même si ça fait du gars, ça met un peu de temps à vraiment s'imposer. Olaf, Camille, pareil. Il y a un trou en mid-game dans le DPS et Fnatic Academy qui est assez dramatique. Hein. Bah en fait ça dépend vraiment de leur early game. Ils peuvent tomber largement derrière. Ils peuvent aussi avoir les quelques kills et les quelques tours qui peuvent leur permettre de méchamment snowball. Par contre ils ont aussi un très gros scaling. Ça va vraiment dépendre de leur early game au Fnatic Academy. Parce que le scaling et le late, ils l'ont, ça c'est clair et net, c'est en leur faveur. Le mid game va être super dépendant de leur early. Et ils ont quand même des picks assez intéressants qui peuvent faire des trucs. Là où je me pose une vraie question, c'est par rapport au Olaf de Amazing. Là, je t'avoue,
Je sais, ça fait combien de temps qu'il a pas joué Olaf? Ça fait un moment. Ça fait un moment. On va aller regarder ça un petit peu. Un Olaf pour Amazing. Olaf Amazing. C'était Origen contre H2K au Summer Split 2016. Non. Vraiment? Ouais. Vraiment. Non, c'est pas possible. Si, si. C'était ça. Ah ouais, donc c'est vraiment... On sort le pic du placard, en fait. Et il l'aura joué 8 fois en tout, dans toute sa carrière. Bon, ça, à la limite. Mais... Et il n'aura que 25% de win rate sur ce champion. C'est pas forcément des données qui sont super encourageantes. Après, sincèrement, Fnatic Academy peut gagner sans un bon Amazing. Ils l'ont déjà fait. Oui. Plusieurs fois. De nombreuses fois. Et on est parti, Noah. Match 2. Fnatic Academy en blue side. Giants en red side. Et maintenant, place à cette early game. On va suivre avec attention les junglers. Alors, Olaf, tu startes où d'ailleurs? Je pense que c'est pas si mal que ça, à mon avis, au Corbin. Olaf, avec la déchireuse, je pense que ça passe tout ça. Mais peut-être qu'il veut contrer aussi. Il peut tenter d'aller chercher les Corbins de Memento. Et ça ping massivement du côté des Giants. Amazing a été repéré. On a mis la ward ici, côté Fnatic Academy. On veut prendre le starter de Memento. Il sait, Amazing, qu'il est... Alors, pas à la merci, mais en tout cas, qu'il est sujet peut-être à des agressions et des invades de la part de Memento. Donc, il a envie de savoir exactement où commence son adversaire pour pouvoir choisir son chemin de jungle en fonction. Et donc, ce sera Blue Buff pour Memento. Blue Buff, Gromb, du coup, Red et peut-être un gank au top à suivre, Noah. Pourquoi pas, après. Gank le Renekton. C'est la meilleure façon de... Non, mais le Lee Sin qui gank. Ah, le Lee Sin qui gank. Le Lee Sin qui gank, ouais. Parce que c'est lui qui ferait Blue, Gromp, oui. Red. Donc, chemin le plus économe vraiment en termes de points de vie et qui est le plus rapide pour un Lee Sin. Surtout, t'as ton, si tu veux vraiment arriver full en points de vie, t'as ton smite, ton deuxième smite qui revient au niveau du red buff, qui te redonne des points de vie et après, tu peux gank dans la foulée. Effectivement, par contre, ça dépend si le nombre de camps qu'il fait avant. Oui, mais s'il fait Gromp, enfin s'il fait Blue, Gromp. Bon, il a gardé son smite de toute façon, donc ouais. Il l'aura dans tous les cas pour le raid. Il fait les loups au passage. Ça ralentit pas tant que ça, les loups, honnêtement. Ça reste un camp qui est assez rapide à faire et peu coûteux en termes de points de vie. Et du côté de Amazing, Noah. Ah, il va farm. Hein. Oh, c'est un Olaf. Normalement. C'est du farm. Il y a deux côtés pour Olaf. C'est vrai que c'est très bien de farm avec Olaf. Mais il faut aussi réussir à mettre de la pression à un moment. Parce que Olaf, c'est pas un pick qui scale si bien que ça. Notamment si t'as pas de speed up dans ton équipe. Ce qui est le cas du côté Fnatic Academy. Après, la draft des Fnatic Academy, encore une fois, je pense qu'elle a pas besoin d'un gros Olaf en late game pour gagner. Voilà, Amazing. Effectivement, gros clear de sa part. C'est vraiment, il a pris un Olaf vraiment parce que il était confiant sur rien d'autre. Il a eu un gros focus jungle. Je pense, ouais, c'est pas. Mais effectivement, je trouve que dans la compo en question, j'aurais trouvé ça plus sympa d'avoir un jungler qui peut aider en early. Ouais. Même si les ganks d'un Olaf avec Ghost au bout d'un moment, si t'es très avancé sur ta ligne, sont pas mauvais parce que tu peux spam la déchireuse. Ouais, tout à fait. Alors Memento. On va récupérer le crabe ici. Et Amazing qui revient topside, le seul endroit où il a encore un camp, son Gromb pour le coup. Les Giants qui vont faire l'invade et là ils prennent l'information sur le Gromb. Là Memento il se dit ah, je sais, tu vas venir dans le coin. Allez viens, viens, non. Oh dommage, il aurait fallu être plus patient du côté de Memento par contre, parce qu'il avait une bonne occasion là de venir agresser Amazing. Il y a le décalage. Il y a Niski qui a commencé à bouger. L'anti-dash, mais maintenant qu'il va s'empaler dans l'anti-dash et qui va donner le first blood. C'est peut-être pas fini parce que Flaxish a flash-in. Non, Flaxish a complètement flash-in sur cette action. C'était assez étrange. Ça fait 2 kills à 0 pour Fnatic Academy. La Giants qui fait juste le plus mauvais choix. Quel dommage, Memento, il avait l'information qu'il lui fallait. Tous les choix. Il fallait attendre 2 secondes. Il était là au bon moment, bon endroit. Et finalement, qu'il y va trop tôt. Il s'escape par le mauvais sens. Oh, le flash-in de Le flash-in de... Non, le dash-in derrière. Le dash-in derrière, effectivement, vers Niski. Toutes les exécutions étaient à revoir, là, pour
Ouais, les choix n'ont pas été bons du côté de l'équipe des Giants. Et ça les met directement dans le dur, Noah. Parce qu'attention, là, Kiki 0-0-2. Flaxish, s'il commence à peiner dès maintenant, ça pourrait être compliqué. Même s'il a l'avantage au niveau du farm avec la vague de creep qui va arriver. Et là, quand t'es en botlane en train de te faire démonter par les salles de hache et les armées de Voidlings, tu te frottes les mains du côté de Mr. Raleigh et Clyde. Ouais, c'est effectivement, tu dois dire, ah, cool. Le reste de nos coéquipiers fait le travail. Et finalement, ça te met moins de pression aussi. Tu peux te dire que t'es pas obligé de prendre trop de risques, que tu peux tranquillement défendre pour en attendant des jours meilleurs, sachant que tes coéquipiers ont quand même fait le boulot sur l'autre côté de la carte. Et alors, Knight au mid, là, on le voit qu'il met un maximum de pression. Il n'a pas encore pu faire son back. Memento, l'intervention de Amazing ici. Memento qui prend quand même des risques, hein. Là-dessus, en allant chercher sur les corbins de Mazing. Par contre, au bout d'un moment, quand t'as autant de retard sur le jungler en face et que c'est un Olaf, tu viens pas l'embêter. Il va falloir respecter. Parce que sinon, tu te fais démonter, parce que ça tanque, il aura jamais assez d'épaisse pour le tomber. Et le problème, c'est qu'un Olaf, une fois que t'es dessus, tu repars pas. Hein. Mais surtout quand t'es dans sa jungle, Olaf. Ouais. Le chemin pour revenir chez toi est vraiment trop long. Il suffit d'une déchireuse. Oh, le premier bac, il va faire mal. Hein. Il y a 500 gold de plus sur Niski. Mais Knight aura son cœur at stake. Ouais, il a tout le sustain qu'il lui faut. Là, il peut spammer Niski. La machine à farm est arrivée. Ah ouais, avec le chapitre perdu plus l'alarme de la déesse. Effectivement, il va pouvoir spammer autant qu'il l'entend. Alors, c'est Duelen Giants. Ils vont tenter un trap, mais sans les ultis, ça me paraît quand même difficile. Après, ils ont la domination de la lane au début. Normal, non, ils ont vraiment une bonne draft pour ça. Mais ce qui est bien, c'est que le pick SO, le go-in de Kiki sur Flaxish, l'arrivée de Amazing. Il n'y a pas de flash sur Flaxish. Il a les dégâts de ce Renekton ici. Amazing qui enchaîne, qui apprend le kill. Amazing qui tente de tuer Renekton. Le double kill d'Amazing. Le Olaf. Le Olaf de Amazing. On n'était pas sûr de sa qualité sur ce champion. Et là, il fait le boulot pour son équipe. Et il a Amazing. Des cadeaux. Et on lui donne beaucoup de cadeaux parce que Olaf 3-0, c'est un Olaf intombable, ingérable. Ah, Kikis, il a pris trop de dégâts. Amazing, il était un petit peu loin. Après, Amazing touche pas sa première déchireuse. Ah, et il meurt avec son flash, hein, Kikis. Ouais, mais il y avait, même avec la première déchireuse. Je pense que les dégâts auraient pas été suffisants dans tous les cas, ouais. Et ça fait 4 kills à 1 pour Fnatic Academy. Et là, par contre, Amazing. Oh là là. Il a ses boosts de lucidité. Bientôt son Cinder Hulk. Et on n'est même pas à 8 minutes de jeu. Ouais. Là, c'est un très gros départ pour lui. Ouais. Maintenant, il faut peut-être un petit coup de main à ce bot side pour faire un back sans trop perdre. Mais ils vont le faire maintenant. Pas grave. On peut plus vraiment contester. Et surtout, voilà, le départ. Alors, est-ce qu'il va faire l'âme de la DS ou s'il va aller directement sur sabre vicié? Brillance de la DS. Et après, tout à l'heure, il a fini la mana mune. Moi, j'aime bien tout de même le start sabre vicié avec un S. Ça te donne vraiment une domination de la lane. Alors, tu mets beaucoup de temps à stacker une arme de la DS, mais le sabre vicié brillance, c'est un énorme burst. Hein. Après, Zik, ouais, peut-être que contre Malzahar Ashe, tu fais un go-in, tu prends pointe du nez en flèche de cristal, t'es pas bien. Oh, ça touche sa déchireuse, mais on voudra. Bah, il a pas la vision derrière. Amazing, c'est ce qui le fait douter. Ce trade là, Flaxish qui met d'énormes dégâts à Kikis. Kikis qui a tenté de répliquer. Effectivement, il est plutôt perdant au niveau du trade là. Ah, de toute façon, au début Kikis, il faut qu'il la joue passif, faut qu'il la joue tranquille, pas qu'il prenne trop de trade. Et au pire, qu'il attend Amazing. Son jungler est tellement bien dans sa partie. En plus, c'est full ward sur le top side. Il peut juste attendre. Kikis qui tente de trouver un trade à nouveau. Bon, tu sens que Flaxish a quand même l'ascendant pour l'instant. Et là, s'il y a un danger côté Fnatic Academy, c'est vraiment Amazing. Partout où il traîne, normalement Giants doit être en situation de difficulté. Oh, Kikis, interception de Flaxish. Il a un flash, Flaxish. Il va rater son sustain, Flaxish va faire flash in. Et là, il est en train de dire à l'aide. Mais il fallait y aller. À l'aide. Pourquoi il a pas continué? Oh, c'est moi ou il a loupé son grappin, Kikis? Il a loupé. Ah non? Non.
Non, il l'avait. Parce que j'ai cru entendre le bruit du grappin. J'ai eu un gros doute quand par il contre, était contre la le mur. Domination de l'aide de Flaxish avec son Tiamat. Ça permet d'ouvrir le dragon des océans avant les 10 minutes de jeu. Alléluia. C'était pas un dragon des nuages. Et là, par contre, moi, c'est un dragon infernal qui arrive sur la faille. Bon, en tout cas, c'est... réaction du chat. Ceci dit, il y a pas mal d'action sur ce match-là, Noah. Oui, 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 ça. Un early game conquérant de la part des deux. Mais tu portes la chance. Moi, tu portes la chance sur les matchs. Bah là, je vois un océan, un infernal. Effectivement, ça a l'air de mieux se passer. Mais c'est vrai que peut-être que le destin est clément avec moi. Il sait que j'ai souvent des dragons, des nuages avec SKT. Ouais, donc plein dit... toi. Hein ? C'est eux, ils les font. Bah, eux les font. Mais après, l'équipe adverse conteste pas toujours. Donc, c'est aussi... ça pose aussi problème dans tous les cas, tu vois. Et le Amazing, toujours le maître de cette jungle, l'hôte de ces bois. Et au top, un Flaxish. Toujours très dominant dans son 1v1. Et pour l'instant, ça va pas aller en diminuant. Hein. Kikis qui est en plein dans le Maelstrom. Le pic de puissance de Flaxish. Le Vortex. Vortex du pic de puissance. C'est vraiment pour dire que le pic de puissance est très fort. Ouais. On a senti. On a senti. L'appui. Le swap. Oh, la panne du néant sur Kikis. Ils peuvent le burst. Ils peuvent le burst. Ils peuvent prendre le kill sur Kikis si les Giants. Oh, par contre, Amazing. La déchirure sur 3 joueurs. Amazing. Amazing. Encore la déchirure sur 2 joueurs derrière. Amazing qu'enchaîne. Amazing. Le burst équerre. Le flasher de la part d'IQ. On va en rester là, mais Amazing qui fait la loi effectivement dans ses échanges. Il y va comme un goré dans les fights. Il n'y a aucune pitié. Il trace une ligne droite et il fonce dans le tas. Par contre, ce sera sûrement la first break. Voilà, côté Flaxish. Clay, attention, qui est en train de se faire poke un petit peu. Et on pourra même pas prendre la tour au top. Bonne défense et bon go-in sur Kikis, qui se fait un peu démonter sur cette partie. Ouais, et c'est finalement Edulene qui se retrouve donc au niveau du top. Alors, la tour est pas tombée hein, du côté des Fnatic Academy. On n'a pas pu la prendre. On a dû aller un peu plus deep pour tenter de récupérer des kills. Et tout ça, ça fait des affaires des Giants, mais qui avaient déjà pris la T1, enfin la première tour du jeu au match précédent, non? Ils avaient pris ouais. Ils avaient deux tours d'avance ouais. En early. Là, Kiki surpris là-dessus. Bon. Le très très bon côté du pic Malzahar, c'est qu'il va obliger tout le monde à faire des QSS. Du coup, Jones va pouvoir profiter sauf quand même. Sauf Amazing. Qui va regarder Eustin et qui va lancer sa hache entre les deux yeux. Ouais, pour lui, ce n'est pas très grave. C'est IQ et Eustin, ils vont pleurer hein, contre ce Olaf. D'ailleurs, qui a fini son titan cendré, il a une ceinture du géant par-dessus, ça y est, il commence à tanker, il commence à être horrible. Ce qui est bien maintenant, en fait, dans ce genre de pick, quand tu joues H, c'est la BRK. La BRK contre les tanks qui te gruinent, c'est une bénédiction. Parfois, le flash est aussi nécessaire. Bah, surtout que la BRK contre un Ola sous ulti, elle est discutable. Ouais. Mais au moins, t'as l'impression de faire un peu plus de dégâts. Ouais, il risque de poser des gros problèmes, mais on le voit en fight, il n'y a personne qui ose vraiment le taper. Personne n'ose s'approcher parce que tu sais qu'il peut y avoir les déchireuses qui te ralentissent et qui après lui permettent de pouvoir aller récupérer un kill. Donc effectivement, c'est très difficile de jouer contre un Olaf aussi bien dans son match. Parce que en fait, Amazing, il n'a pas vraiment de limite pour l'instant. Il peut face n'importe qui, il met d'énormes dégâts. Et c'est un problème pour Knight, pour IQ, pour Uslin. Il faut le ward. Ce qui a bien été fait dans le bot side, tu le ward et tu l'évites. Ouais. Jusqu'à 45 minutes de jeu où tu peux le tuer. Voilà. Mais effectivement, s'il y a une piste de victoire à creuser pour Fnatic, c'est celle-là. Il fait la loi. Hein. Partout où il va, il fait la loi. Bah, tout le monde recule. Donc ça ouvre des possibilités au Fnatic Academy, notamment pour rentrer dans la jungle des Giants. Kikis. Face à Flaxish ici. Toujours l'avantage pour Flaxish. Finalement, Ralez va pouvoir récupérer cette T1 au niveau du top. Un back côté Giants. On l'abandonne celle-là. On n'ira pas chercher. On sait que Amazing est dans les parages. On sait à quel point il est dangereux avec ses 3 kills. Et on préfère ne pas vraiment donner de possibilité à ce dernier de s'exprimer. Par contre, une minute 20 dragon infernal, Noah. Là, ça va bouger.
Les Fnatic Academy, on en finit avec le top 7 de la map, donc normalement leur duo lane devrait revenir au niveau du bot, puisqu'il a une T1 à les récupérer. Et après ça, ce sera le dragon infernal. Il faut absolument que les deux équipes aient la bonne configuration sur la carte. Kikis doit aller top, doit tenir la vague de creep et ensuite potentiellement TP lorsqu'on disputera ce dragon côté Fnatic Academy. Même si Giants devrait être en très bonne situation, Noah, avec un Renekton là, avec un Renekton Lee Sin, l'engage apporté par la Ashe et le Malzahar. Et d'ailleurs, Lee Sin a bientôt son flash. Ça va compter pour ce dragon infernal. Ah, ils reprennent la vision, Clay qui est vu par la plante. On a du mal à poser le même contrôle. Normalement, Amazing, c'est le genre de teamfight. T'as une belle rivière pour courir au milieu. T'es très heureux d'y aller. Le problème, c'est que Kikiz, pour l'instant, il a pas envie de se mêler à ce genre de fight. Kikiz, il a envie de farm. Il a envie de gold, Kikiz. Bah ouais, logique. Sakami est loin d'avoir atteint son premier pic de puissance. Mais pour l'instant, contre le Renekton, il prend la sauce. 5 secondes avant ce dragon infernal. Giants est en position et les Fnatic Academy vont pas tenter de le disputer. Est-ce qu'ils en avaient la force? Honnêtement, avec le Olaf, je pense tout de même que oui, Noah. Et décide de prendre le héros de la faille en échange. Pourquoi pas? Vu leur composition avec le split push, avec les difficultés de Kikiz, si ça peut l'aider à passer sa phase de lane, à aller plus loin, à tomber tour plus vite et à pas se faire écraser par Flaxish, pourquoi pas? Alors, c'est un dragon infernal, c'est très cher payé. Mais 20 minutes, les 20 minutes compliquées, il y aura ce buff. Et arrivé à 35 minutes de jeu, on peut espérer que Camille détruise un Renekton. Ce qui n'est pas 100% garanti. Bon, normalement, quand même, le kit de Camille est largement supérieur en late game. Mais 35 minutes, est-ce le late chips? Bah, ça dépend de l'état des golds et des itemisations, bien sûr. Et des niveaux. Pour l'instant, Flaxish met une quarantaine de creeps à Kikiz. Donc, il est à l'aise. Il a beaucoup de marge actuellement, Flaxish. Et j'ai l'impression moi qu'on est plus qu'on est de nouveau parti entre ces équipes dans une période un peu plus molle. Enfin, ils ont aucune d'action. Ils ont aucune raison de se presser, Fnatic. Hein, avec leur un dragon des nuages à venir. Ah, ils le laisseront passer. Vraiment trois dragons pour les Giants. Ça leur offre cette petite porte de sortie en late sur du dragon ancestral. Mais Fnatic, s'ils peuvent camper encore 25 minutes, ils le feront. Hein. Attention, peut-être le go-in sur Clay. Bah on veut clairement Clay. Oh, la flèche de cristal. Il se retourne, il a le temps de mettre un ulti. Ce ne sera que pour mieux mourir. Jolie flèche ici de la part de EQ. Dans l'alignement du couloir, dans la continuité. Et Fnatic, il s'est un peu surpris sur cette action. On va repush au mid un peu pour Niski, mais... Oui, il faut verrouiller et c'est à Giants de prendre les initiatives. Là, le Renekton a fait un bon boulot, il a bien farm, il a son Black Cleaver, il a un Tiamat. Il manque peut-être le deuxième palier de stuff, faut peut-être attendre 22 minutes de jeu pour Giants pour les voir un peu sortir de leur retraite spirituelle. Mais en même temps, est-ce qu'ils ont une équipe pour attendre autant? Disons que leurs junglers et leurs top laners sont pas des champions à scaling. Malzahar, bah en fait quand il y a trop de QSS et il y en a déjà deux dans l'équipe des Fnatic Academy plus un Olaf, ça devient beaucoup moins intéressant. Le truc c'est que je comprends pas le choix du Victor, moi. C'est-à-dire qu'en face c'est une compo ultra late, ultra scaling et on a un peu les fesses entre deux chaises. C'est-à-dire que on n'est pas ultra dominant en early et on l'est pas en late non plus. Enfin, j'aurais vraiment préféré un contre. Un pic agressif, un pic qui bouge au mid pour Knight. Mais en même temps, c'est pas facile de prendre Harry contre le Cassio par exemple. C'est pas facile. Qu'est-ce qu'il avait d'autre comme option? Knight, il a un pool, Talia. Elle était pas ban? Non. Talia, pour le coup, moi j'avoue que j'aime bien aussi. Hein. Talia, c'est cool. C'est un pic qui met énormément de dégâts quand c'est bien joué. Et qui roam énormément. C'est vrai que ça aurait pu être gênant, notamment pour un Kiki, savoir qu'une Talia peut débarquer à tout moment.
qui se prend les trades. C'est pas si mal que ça hein, pour l'ancien top laner des Fnatic. Des Fnatic A, of course, et des G2. Et de plein d'autres équipes. Parce que Kikiz, il a un le mercenaire. Nombre d'équipes à son actif assez incroyable. À une époque, c'était parce qu'il était un peu toxique. Et puis après, c'est, je pense qu'il se plaît dans ce format. Dans ce challenge qui se renouvelle à chaque split, de monter une équipe. Ben, en fait, d'être un peu le papa de la compétition, d'être un peu au-dessus de tout le monde, de carry son équipe. Et c'est du bon PL de team en LCS. C'est pas mal. Si il arrive à négocier un jour une prime sur le rachat des équipes s'il passe en LCS... L'ultime la part de Kikiz, il a pris d'énormes risques, hein. Sans vision, s'est exposé au get back. Dustlin, Amazing est en position également Amazing. Le gardien. Il a envie de turn ici, il tank tellement Amazing, il a peur de rien avec son Anduin. Il a peur de rien Amazing, hein. Heureusement qu'il était là pour venir sauver Kikiz. Il a son ange gardien, il a son bodyguard sur cette top lane. Et on va continuer d'avancer. Bon, il prend des risques, Kikiz. Oui, il y a de fortes chances qu'il meure. Non, l'arrivée de Amazing, finalement, le kick. Oh, c'était bien vu de la part de Memento. L'idée était là, il a manqué un poil de réussite. Vous pouvez pas faire tellement plus. Difficilement, surtout que c'était en bout de course qu'en bout de kick. Mais dommage, parce que ça aurait été un beau kill hein, pour le jungler Giants. Giants, toi, qui doit continuer à mettre de la pression. Ils doivent utiliser ce Renekton, ils doivent utiliser Sleek Seed, mais pour l'instant, les résultats se font attendre. Fnatic Academy est bien devant dans ce match. La bonne nouvelle, c'est qu'ils ont beaucoup retardé Kikiz. Avec tous ses gants, avec aussi quelques erreurs de positionnement de Kikiz. Il n'est pas sur sa trinité, il a une cinquantaine de CS en moins. Donc on s'offre un petit peu plus de temps pour se mettre en place. Je pense qu'au deuxième palier de stuff, c'est le moment où ils vont y aller, les Giants. Sur le palier de Zitem. Ils auraient tout intérêt, sincèrement. Surtout parce que ce Renekton derrière perd en termes de puissance. La Camille arrive bientôt sur sa trinité. Elle l'a, là en soi. Elle doit déjà avoir les goals pour la compléter. Il reste juste à faire un back. Et Memento qui va récupérer un autre dragon. Amazing, une réponse ? Il va le pull. Tranquillement. Mais Memento pourrait troubler la quiétude de cette prise de dragon. Il va être obligé de partir. Il va être obligé de partir et ce sera sécurisé. Premier dragon des nuages et premier dragon tout court sécurisé par Fnatic. A voir si Flexi je peux réussir à faire plier un petit peu Kikiz sur la top lane pour aller récupérer cette T1. Le flash in de nouveau. Un combo de la part des Giants et un kill. Bon, c'est mortel, hein. Quand il y a un flash de Malzahar, normalement, il doit y avoir un kill. À chaque fois. Sinon, c'est que tu n'utilises pas la force du champion. Là, il va devoir penser s'il veut aller warder à partir sur une QSS. Hein. Ouais. Parce que sinon, il va se manger un Malzahar à chaque fois. Kikiz, le kick de la part de Memento. Là, on empêche Kikiz d'aller au bout de son ulti. Et la tour au top récupérée par Flaxis. Ils font pas mal de bonnes opérations, là, Giants, noir. Ils se mettent en position. Ça y est, ils commencent à sortir un peu de leur coquille. Ils vont pouvoir commencer à avancer. Le flash in de Knife, flash out de Niski, le hit est parti. Et ça commence à avancer sur les lignes. On pourrait essayer de venir commencer à s'emparer de cette T1. Toutes les tours prises par les Giants. Les Fnatic, c'était un temps de jeu difficile, voilà, à prévoir sur ce mid-game. Il faut tenir. Il faut lâcher le moins. Mais de toute façon, ils ne pourront pas empêcher Giants de s'emparer de petits pics par-ci par-là, de petits objectifs par-ci par-là avec cette compo. Il faut juste pas essayer de s'acharner, voilà. Par exemple là je pense que il faut au bout d'un moment limite abandonner cette défense. Parce que ça devient dangereux. Surtout quand IQ aura récupéré sa flèche de cristal. Malzahar sa pointe du néant. Et le flash aussi sur Slim qui lui par contre met beaucoup plus de temps à revenir. Mais qui est vraiment un outil crucial. Crucial pour mettre en place la pointe du néant du Malzahar. Et pour surprendre l'adversaire, Amazing qui a perdu quand même énormément de points de vie sur cet échange au milieu du mid. Mais Amazing qui tient pour l'instant cette T1. Encore une vague de creep qui va arriver. La Giants décide de pousser au niveau de cet objectif.
on veut tenter d'ouvrir complètement la carte pour peut-être, moi, derrière, pouvoir enfin nous proposer de l'agression sur la map. Sleen. Il n'y a pas le flash, Sleen. Hein. La flèche sur Mister LS, ça va, il y a la QSS. Je sais qu'il allait avoir un go-in juste derrière. On va réussir à tenir un petit peu disengage de Memento. Et Amazing qui cherche. Amazing, c'est le rock, c'est le pilar. 3-0-2, son score a pas bougé depuis le début de la partie. Mais justement, là, il faudrait essayer d'insister un peu plus côté Fnatic Academy. Ça marchait bien à chaque fois qu'il tentait des actions avec Amazing à côté d'eux. Tu sentais vraiment qu'ils avaient une forme d'ascendant mental problème, sur les Giants. Le problème, c'est que personne veut le suivre dans son équipe. Tout le monde veut farm. Tout le monde a besoin de farm. Kikiz, il a besoin de farm. Nissi, pareil, il a besoin de sa fucking Cassio. Mais Mister Alaise, il aimerait, je pense, bien finir sa BRK. Donc pour l'instant, oui, Amazing, il a envie de venir chercher l'escarmouche. Mais tout le reste de son équipe veut essayer de récupérer du gold. Donc pour l'instant, on attend patiemment pour les Fnatic. Mais on est toujours un petit peu devant au gold avec cette compo. Donc pour moi, c'est les Giants qui sont en difficulté. Ouais, même si leur combo d'engage peut faire mal. Mais encore une fois, je pense que les QSS vont être un gros souci pour eux. Allez, Baron. En tout cas, on a short dance côté Fnatic Academy. On veut forcer les Giants à commettre le faux pas. Et Giants bien groupé qui essaie de faire front pour l'instant. Ouais, cette ward sera conservée par Fnatic Academy. Attention, Raleigh, ça peut être une engage de Flaxtish sur Clay. Il faut cette QSS sur Clay. Ils ont tué le Fnatic Academy, bien sûr. Et pas que Flaxtish, Memento va y passer également. Memento qui tente doubler en faveur de Niski. Et ça, ça va le propulser. Ça, ça va lui permettre d'avancer un peu plus vite. On va essayer de forcer, c'est dommage. Hein. La flèche de cristal était bonne. Et mais là, derrière... trop de dégâts et ce baron à genre Sleen, le va, style au silence vite, hein, avec une Cassiopeia notamment. Sleen qui va tenter un quelque chose là, un style peut-être au silence. Non, Amazing qui assurera son smite. Non, on lui vole pas Amazing, le baron à genre, on le sait. Kipo. Kipo. Oh, un prochain dragon infernal d'ailleurs. Oh là 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 là, le feu. Ouais. Complètement le feu dans ce match. C'est enchaînement de bonnes vannes là. Ouais, c'est pas mal, on les a travaillés. Avec Clyde qui s'est fait dépop, mais en même temps, les Giants se sont isolés en faisant ça. En tout cas, Memento et Flaxish. Et ça, c'est le très bon côté de Zyra. Cette ulti qui permet justement de casser la relation et la liaison entre backlane et frontlane. Très bien utilisé là pour Clyde, même si bon, c'était un peu désespéré, c'était dans le feu de l'action. Le feu toujours. Amazing, c'est le seul à faire pour la Flaxish. Je pense que malheureusement, avec ces derniers moves, Giants, leur temps de jeu est révolu. Voilà, le Renekton risque. Enfin, il est pas mort encore, mais. Ouais, mais. Je pense qu'en fait, il aurait dû choisir de faire un ange gardien là en troisième item plutôt qu'un Randuin. Voilà, ils vont avancer, il n'y aura aucune résistance. Ils peuvent faire à peu près ce qu'ils veulent. C'est-à-dire qu'ils se sont mis assez bien pour pouvoir camper 40 minutes de plus s'ils le veulent, les Fnatic. Et avec cette compo, 40 minutes de plus, c'est auto-win. Tu fermes les yeux, tu fais un gros attaque-clic, et c'est parti. La Fnatic Academy, la flèche! Ouais, dommage. Dommage pour les Giants qui ne trouveront pas l'engage qu'ils voulaient là-dessus. Mais ils ont réussi à poke un petit peu. Ils s'ouvriront cette tour à un point de vie. Il y a un dragon infernal qui est là. Bon, c'est dommage de faire un dragon infernal sur un timing buff Nashor. Je pense qu'effectivement, mais là, sachant qu'ils vont pas non plus repush tout de suite les Fnatic, autant qu'ils finissent de s'emparer du plus objectif possible. Et il y a le back qui va arriver. Ouais, alors ça on doit aimer, hein, côté Fnatic Academy. Cette fois-ci, on récupère un dragon infernal. Il est intombable, Amazing. Le Banshee. Pas de gloire du juste. Hein. Alors qu'il a pas trop de stéroïdes de même, il a pas de stéroïdes de vitesse avec lui. Pas de gloire du juste. C'est super étonnant son build. Bah, je pense que ça lui fait avoir un peu moins d'impact. Hein, tout simplement. Après, il en a eu beaucoup en early. C'est vrai que maintenant c'est plus difficile. En même temps, maintenant,
en face de lui, il a un Victor qui a Luden et Bâton du Vide. Donc en fait, si tu veux courir vers les Giants, tu peux te prendre un burst énorme d'entrée de jeu. Le scout de Amazing. Il n'est pas trop en danger quand il vient prendre de la vision. Il va aller récupérer la pink. Il y a toujours cette T2 à prendre sur la mid lane. Il manque deux attaques de creep. Amazing, la charge en plein milieu. C'est agressif. Ça permet de deny. Et ça permet de sécuriser cette T2. Fnatic Academy qui récupère cette T2 là, grâce aux Winions, on dirait. Et ça y est, plus de tour extérieur pour ces Giants. Ça sent le roussi pour Giants. Ça sent le 2-0 Fnatic. Bah, effectivement, ils ont l'air plutôt au point, ces Fnatic Academy. Et notamment Amazing qui a envoyé du lourd avec ce Olaf. Vraiment gros pic entre ses mains. Je m'y attendais pas forcément. Après, les conditions du match ont fait qu'il a été vraiment bien, Noah. Notamment grâce au choix de Memento. Imagine si Memento avait attendu 2 secondes. Toute la partie aurait été différente. Ouais, tout aurait été différent, je pense, effectivement. Le problème, c'est qu'ils ont jamais eu. Ils ont eu un petit peu la main, les Giants. Mais c'était déjà pour se remettre à niveau, plus que pour Snowball. Ça leur a coûté tellement cher. C'est tellement dommage. Et là, maintenant, bon, bah, Fnatic. Est-ce qu'ils ont envie de push et de s'empaler sur les tours avec le wave clear d'un Victor en face? Je ne suis pas sûr. Ils peuvent attendre. Ils peuvent attendre le prochain Nashor, le dragon des océans. Enfin, encore une fois, ils sont pas pressés. Ils ont le temps. Ils peuvent planter leur tente de camping et attendre l'adversaire. IQ voulait totalement poke le... J'ai l'impression qu'on voulait tenter un truc là au niveau du mid côté Giants. Memento était en position de flank. Enfin, Memento qui avait tenté quelques insects et réussi d'ailleurs hier, Noah. Donc on peut peut-être s'attendre à le voir encore tenter ce genre d'action. IQ, cette fois-ci, on déclenche. C'est loupé. Il les tente sur cooldown. Ah, il faut réussir à les toucher parce que actuellement, H, on n'a plus ce build qui permet d'avoir énormément de réduction de cooldown trop tôt dans la partie. Donc en fait, les flèches de cristal coûtent assez cher. Et derrière, les Fnatic Academy savent qu'ils ont. C'est combien au niveau 11 le C de la flèche de cristal? Je suis pas sûr. C'est toi le joueur de H, moi. Tu la sors vraiment dans. Bon, je sais que tu la sors que dans les grands rendez-vous. Tes games compétitives. Une fois tous les 3 mois. Que dans tes games compétitives. Que dans mes games compétitives. Sur mes Smurfs. Ouais. Dans le fond du résultat. Ça bat Millennium. C'est fort. Ça, c'est fort. C'est suffisant. T'as un flèche de cristal au niveau 2, c'est donc. C'est 90 secondes. 1 minute 30 de répit, c'est pas mal. Hein. C'est 3 vagues de creep. Il y a une petite T1 à prendre. Est-ce qu'ils peuvent y parvenir? Flaxish en split. Il y a Niski qui sort à topside. Steam qui met l'auto, ça suffira pas. Steam qui est forcé au flash out ici. Amazing, il a le Berserker. En tout cas, la rage du Berserker. Non, le Ragnarok. Le Ragnarok, excusez-moi. Et il la gardera là en poche. Cette terre ne tombe pas à côté Fnatic Academy en plus de ça. Mais ils prennent le flash de Huslin. Ça, c'est une super nouvelle pour eux. Parce que pas de flash de Huslin égale des capacités d'engage vraiment beaucoup plus limitées. Sachant que là déjà il n'y a plus qu'un joueur en fait qui ne peut pas se défaire de la pointe du néant, c'est la Zaira de Clay. Tout le reste côté Fnatic Academy, on est immunisé à ces engages du Malza. Et 15 secondes avant le retour du Nash Chips. C'est le moment où Fnatic va le prendre et terminer. En tout cas, s'ils le prennent, je pronostique qu'ils terminent dans la foulée. Paris ambitieux, Noah, mais... Ambitieux... J'ai vu plus d'ambition chez un homme. Ça arrive. En tout cas, Kikiz, lui, il commence à être ambitieux, Noah, dans ce match. Oh. Je suis d'accord avec toi, faut les tenter, faut aussi en toucher une de temps en temps. Ah, y a le truc, c'est qu'il y a Amazing X devant, il y a 3 QSS derrière. Donc même si tu la touches, très concrètement, à un moment, il va toucher Clay... qui se serait mise, on ne sait pas pourquoi, de façon idiote en frontline. Ouais, mais au moins tu forces une QSS peut-être justement, enfin tu donnes une occasion à Malzar d'avoir un... Il n'a pas de flash derrière. Quelque chose.
c'est sûr, bon, dans ce cas-là, ne tentons pas de flèche. Faut quand même que ça passe un moment, faut réussir à faire quelque chose côté Giants, même si effectivement, l'itemisation, on le sait, finit par être problématique pour un Malzar H, CQSS qui pop, et qui rend les choses très difficiles. Et pour l'instant, Fnatic Academy occupe sereinement la jungle des Giants. Ils ont pris tout map control. Ils ont une énorme compo pour faire un Ashor. Alors on va prendre la vision. Il est tellement low life, Momento. Kikis qui va engager Knight. Kikis qui survit, noir. Amazing dans la mêlée. Momento qui se fait burst. Il ralette sur le flank ici. Les Giants, dès qu'ils sont un peu, ils prennent le flank de ces joueurs. Fnatic Academy, un double kill en faveur de Niski. Et les Fnatic qui font ici une belle opération. Kikis n'est pas passé loin de la correctionnelle. Le Baron, il décide d'y aller, noir. Ils vont le tenter. Memento va essayer de faire quelque chose. Oh là, amazing. Est-ce qu'ils peuvent vraiment ouais, Niski, ils peuvent, ouais. Le heal de la part de Ralez. De Niski. Ralez encore le seul. Pardon. De Ralez. De Niski, ouais. Et on va revoir Kikis qui prend énormément de burst ici. Il s'en tire rien, mais après il est sorti un petit peu du fight. C'est la QSS sur Mister Ralez qui permettra de s'affranchir de la pointe du néant de Huslin. Et il y a une belle rotation au niveau de l'aggro, au niveau des contrôles. Et Niski il bombarde, hein, il est derrière la front lane, il tape. Le premier qui passe à proximité, il tape. Surtout qu'il n'y a quasiment pas de RM en fait du côté des Giants. Donc là, cette Cassio, elle se balade. Ça y est, le Renekton Flaxi, je viens de compléter un. Manteau de spectre, mais pas sûr que ce soit suffisant. Tandis que Fnatic Academy poursuit ici sa progression dans ce match. Quasiment 10 000 gold d'avance, noir et un nouveau dragon dans l'escarcelle Fnatic. C'est fait, c'est pris. Il ne reste plus qu'à push. Puis surtout avec une Camille, il n'a pas l'ange gardien encore qui se pense qu'il est en train de partir dessus. Mais bon, ça lui a manqué sur le dernier teamfight. Hein. Il aurait été bien plus efficient. On arrive avec une grosse vague de creep, on se regroupe, Camille sur la mid lane, on a la rotation qui est prête, et le bus Fnatic Academy nous roule très tranquillement sur Giants. Alors c'est parti, EQ, faudra peut-être réussir quelque chose à la flèche, voilà Ralez. C'est un placement audacieux. Hein. C'était plus qu'audacieux, c'était malvenu, je pense, de la part de Ralez. Même si t'as la QSS, c'est un placement très audacieux. Il a QSS, il se prend la pointe du néant derrière. Il s'est fait couvrir par la pointe du néant du Malzar. Voilà ce qu'ils doivent chercher les Giants. Même si, bon, là, ça s'est vraiment passé parfaitement pour eux. Mais soyons positifs, il a très bien évité la zone de convergence. Enfin, le champ gravitationnel, pardon. Ouais. La zone de convergence étant le stun de Echo. Ah, il s'est bien décalé, il s'est bien collé à la tour. Et il s'est fait instant. Ouais, je suis assez surpris quand même de ce qu'il a essayé de faire. Il a pris tellement de risques Ralez sur cette action. Et ça casse le baron Nashor des fois. Comment cancel un Nashor? Ils auront le temps de faire un push. Ils ont une minute. Ils ont le temps de faire un petit push. Quand même décevant de perdre. Ah bah oui. De perdre ton avantage de push. Oui. Il sort du champ gravitationnel, mais. Et puis voilà, QSS, c'est tout ce point du néant. On s'est un peu précipité. Mais bon, c'est un contre-temps. C'est un contre-temps. Il faudrait une prouesse Giants pour renverser la vapeur. Pour inverser, même. T'avais dit quoi ? Renverser. Renverser la vapeur. Il la renverse. Oh, ça marche, en raison de l'idée. Ça peut marcher. Si on n'est pas trop tatillon, ça va. Allez, on est reparti là au niveau du bot. 25 secondes. Mais j'ai pas l'impression que Fnatic pourra faire quoi que ce soit en fait. Moi. Je vois pas comment on sort, mais même comment on. Bah, c'est comment trop tard là en fait. 15 secondes. Et encore, Clay s'est pas embarrassé d'une QSS. Hein. Toujours pas. Bon, disons qu'il est derrière 4 personnes qui sont pas focusées par une flèche de cristal. La flèche, on ici. On reparle de l'action précédente. C'est purgé. Ah, les Fnatic, cette fois-ci, ça pourrait passer. Ralez. J'ai cru qu'il avait transfert Arcanic in. Ouais. je me suis dit, ça reste le moment de folie. Ah, il prenait la tour.
il prenait la tour. Incontestablement. Et il manque une auto. Mais les Giants, le rideau de fer Giants. Momento. C'est un move ballsy. Après, je préfère un move ballsy à l'attente passive de la mort. Ce petit point de vie peut coûter très cher. On l'a vu tout à l'heure. Tu peux vraiment te faire bait. C'est le moment où avant tu mettais un Emmerdinger et que la tour avait, avait de la régène. Tu étais comme ça et tu campais. Cette période n'existe plus. Bien belle période. Ah bah tu pouvais construire des compositions d'équipe super lame. On est reparti côté Fnatic Academy. Attention, Memento, il l'a tenté. Il l'a tenté, ça ne se passera pas comme il l'avait prévu. La flèche de cristal sur Alès, qui cleanse, qui flash out. Il a tout mis pour cette scale là-dessus. On enchaîne encore. Les Giants ne lâchent pas l'affaire, Noix. Il récupère ce kill finalement. Kikiz, pas sûr que. Elle sera top lane. Oh, Kikiz, disengage de Kikiz, la plante. C'est un bait. On va pouvoir partir. Kikiz, mais c'est super risqué quand les même. Les Winions sur la top lane. Ouais. Et l'on a Nate qui va courir, mais la tour qui tombe. Les Winions auront fait mieux que Fnatic sur leur push. Et finalement, c'est rentable. En fait, le truc de Giants, c'est qu'ils sont tellement sous pression que même quand ils prennent des kills, ils peuvent absolument rien en faire. C'est ça leur plus gros problème. Il va falloir que Kikiz ait son ange gardien quand même, hein, du côté Fnatic Academy. Pareil dans la jungle du côté de Mazing. Et il l'a pas encore. Non, on attend un ange gardien pour ces deux joueurs parce qu'on les sent. Tu sens que dans ce genre de cas, ils sont pas 100% sereins. Et Clyde s'est fait détruire dans cet engage. Le truc, c'est que là, ils essaient pas vraiment de se battre. Ils sont trop fait poc dans cette phase de siège. Et on va commencer à préparer le Baron Nashor. Si on pouvait faire rebondir un petit peu ses creeps sur la top lane pour préparer le push, pour préparer la prise de vision. La flèche sur Clay. C'est sur Clay. Ah, la QSS, très bonne victime. La QSS. Et il est vivant. Il arrive à s'en sortir. Par contre, effectivement, on ne pourra pas préparer ce Nashor. Ah, on va sûrement perdre cette tour. Ouais, ça tombe. Les Giants qui finiront par l'avoir, celle-là. Ils auront mis le temps. Kikiz a son ange gardien, Noix. Kikiz a son ange gardien. Ah, bon, il avait beaucoup de gold en stock. Hein, parce qu'il avait qu'une petite cape du néant dans son itemisation. Et là, il sort directement un ange gardien. Et là, voilà, Kikiz, par contre, il va pouvoir vraiment faire office de front lane en compagnie de Mazing, dont on attend également l'ange gardien. Il y a toujours cette tour en bot side. Il faut faire avancer le grip. Tu fais avancer. Parce que là, on va arriver au moment du Nashor, ça push au top, ça push au bot. Donc soit on va commencer à lâcher des tours gratuitement, soit là on se dit bon bah on défend, on ward, on envoie quelqu'un s'occuper de cette vague, parce que je comprends pas pourquoi il s'acharne au mid sur ce timer. Ah bah voilà, pour ouais. Que Niski puisse se loter dans la grande centrale. Tranquillement Niski. Voilà pourquoi il s'acharne. Complètement invisible. Le caméléon. Ouais, c'est le petit trick des joueurs de Cassio là. Pour pouvoir faire ce genre d'objectif, vous achetez pas de bot. Et en général, ça marche. Pork champ. Oh, attention, le burst qui a pris Nike là-dessus. C'était un problème avec Kikiz qui a fait le tour. Kikiz prend un énorme burst, mais il a son gardien en backup. Donc c'était absolument pas grave. Il peut aller jusqu'au bout de son action. Et le grappin, double kill pour Kikiz. Les Fnatic Academy massacre Giants. C'est un ace, un baron Nashor, Noix. C'est allé super vite. Ils se sont fait tanner le cuir dans ce pit de Nashor. Il ne restera pas survivant. Dragon ancestral, baron Nashor, ace. Je pense que c'est une fin de game. Effectivement. Mais il faut les tenter plutôt que de perdre sur la durée. Il faut tenter. On ne peut pas leur reprocher de tenter. Ce qu'on peut leur reprocher, c'est de ne pas tenter avant. Ou alors de trop tenter au niveau 1. Ou au niveau 2 dans cette jungle. Non, c'est au niveau 4. Même. Ouais, on s'en souvient de cette action. C'est le Nexus qui tombe. Fnatic Academy a un match d'accéder au LCS Europe, Noix. Et Giants, la relégation qui frappe à la porte. Tu sais, il frappe avec un coup de baie à la porte.
C'est tout le GIGN qui débarque dans ta maison. C'est fou parce que derrière, on aurait presque l'impression d'avoir Kiki's avec Daylor. Ouais, c'est vrai, tout à fait, ouais, tout à fait, hein, t'as raison. Il y a un air de nostalgie comme ça. C'est vrai. Bon, eh bien, ça fait 2-0 et un match. Alors, encore une fois, Giants peut s'en vouloir d'avoir gâché cette early game, ce niveau 4, cet invade de Memento, ce choix d'engager le Gromp, alors qu'il le sait. Il le sait qu'il va revenir par là, le Olaf. Si à ce moment de la partie, il reste un camp ici, c'est bien que l'Olaf va revenir. Donc, pourquoi tu prends la vision, t'attends 2 secondes, puis pour finalement l'engage, alors que si tu avais attendu 2 secondes supplémentaires, eh bien, t'avais une grosse occasion avec ton top laner qui décalait. Quelle grosse erreur quand même de la part des Giants. Ça n'a pas été le seul fait marquant du match, mais c'est quand même là-dessus que l'avance des Fnatic s'est consolidée. Qu'en as-tu pensé, Ellie? Ben, je suis assez d'accord avec toi et je trouve que c'est un peu l'histoire de Giants dans ce BO, à savoir on va avoir l'idée de faire le bon move, que ce soit cet invade là, que ce soit les arrows de EQ, etc. Mais il va toujours manquer un petit degré de précision que Fnatic Academy, par contre, eux, ils ont à chaque fois. Ce qu'on voit, tactiquement, le plan de jeu Giants, il est appliqué. On a un Lee Sin, on invade, on prend des risques, comme vous l'avez bien mis en avant, du côté de Memento. Le problème, c'est que ce n'est pas forcément payant à cause de cette erreur-là, mais tout simplement parce que des fois, il n'y a juste pas le niveau nécessaire pour arriver à accélérer plus que ça. Je pense à la game 1, bon, malchance, malheureusement, c'était une mauvais dragon. Là, cette game 2, bah, des dragons agressifs, Fnatic qui arrive à se mettre bien. Giants appuie sur le timing faible de la compo adverse parce que tu as CQSS sur le timing deuxième item, tu as envie d'accélérer le jeu, mais les arrows ne passent pas. Encore et toujours, et on revient toujours à la même chose, savoir Fnatic Academy, quel avantage du split, quel avantage du contrôle des objectifs, quel avantage du scaling, et victoire Fnatic. Ouais, ouais, ça fait 2-0, messieurs. Donc là, on attend le match 3. Est-ce que Giants va se faire encore plus corriger que la semaine passée? Bon, en plus, les Fnatic, ils peuvent prendre encore un peu plus de risques s'ils en ont envie. Ils ont 3 games pour la revenir. La marge d'erreur est colossale. Oh, mais ouais. Memento a dit... Je me nourris de la pression, je ne joue jamais mieux que lorsque je suis sous pression. Là, c'est God. Là, c'est God Momento. Ouais, totalement. Voilà. Hein, vous avez 100 points de retard au bac, rattrapage. Voilà. C'est parti. C'est parti. Donc, on va voir ce que ça a donné. Mais là, effectivement, il y a beaucoup de retard pour ces Giants. Et est-ce qu'ils peuvent aller au bout de leur rattrapage? Le problème, c'est qu'en face, eh bien, côté Fnatic Academy, on a vraiment envie d'accéder au LCS Europe. On a envie de revendre ce slot. Ah, ça fait des sous, hein. On a envie de revendre ce slot, donc on va se retrouver après une page de publicité pour le match 3 et alors peut-être l'accession définitive de cette line-up Fnatic Academy au LCS Europe et bien sûr la relégation des Giants qui est concomitante. À tout de suite.
Nous sommes de retour pour la suite, Ellie, de ce BO3. Mais un BO5, pardon. C'est vrai que je pense aux 3 games qui potentiellement... Enfin, ça pourrait se finir potentiellement en 3 games, soyons francs. Ellie, soyons honnêtes pour l'instant. Giants n'a pas l'air en mesure de véritablement inquiéter ces Fnatic Academy qui ont tranquillement remporté ces 2 premières games. On est au match 3 et là, pression à son paroxysme, les Giants n'ont plus le choix. S'ils perdent ce match, celui-là, c'est la relégation au Summer Split en Challenger Series et aucune opportunité de faire les Worlds. Ouais, ce sera assez compliqué effectivement et... Vu ce qu'on a vu, ah oui, Noah qui savoure effectivement. Mais vu ce qu'on a vu sur les 2 premières games, bah il y a des choses chez Giants on tente. Hein. On a vu un des early games sur lesquels on était passé à un chouïa vraiment d'arriver à faire le break et à prendre un avantage conséquent. Cette hésitation de ce fameux listing de Memento qui a coûté très cher. Ça coûte cher. Maintenant, si on arrive à mettre bout à bout les bonnes choses des 2 games chez Giants, pendant qu'on voit un Todd, voilà, ça c'est un peu l'image de Giants aujourd'hui. Il y a peut-être moyen. Alors je pense à peut-être Knight sur un pick un peu plus playmaker que son Corki, peut-être quelque chose qui puisse mettre un petit peu de rythme. Si EQ touche ses arrows et que Memento n'a pas ses moments d'hésitation, on pourrait avoir un scénario favorable. Maintenant, ça fait quand même une sacrée quantité de planètes à aligner. On va voir en attaque en tout cas cette phase de draft, troisième et peut-être dernière. Talon Kha'Zix de Banni côté Fnatic Academy, réponse côté Giants, on reste sur de l'assassin. Pas de Rengar pour Amazing, pas de Leblanc pour Niski. Faut dire qu'en game 1, il avait été extrêmement clutch dessus. Oui, alors effectivement, on préfère ne pas le mettre sur ce champion qui, c'est vrai, c'est un peu son pic référence. Mais depuis un moment, les changements d'itemisation et de mécanique un peu ont pas vraiment entamé sa capacité à faire la différence sur ce pic. On préfère ban. Giants, on voyait les joueurs assez souriants. Ça m'étonne vu la situation du match. Bah, confiant peut-être en fait. Hein. Confiant après ce qui s'est passé sur les 2 premiers matchs, je sais pas trop comment tu peux être confiant, ou alors t'es aveugle. Ce qui est pas impossible non plus. Quand même. On va voir en tout cas, Fnatic Academy ici, la Zaira de Klai, qui a fait office d'un excellent punching ball en game 2. Mais il en faut bien, ouais. Malheureusement. Alors... Il a pas fait de QSS de son côté, mais finalement ça lui aura pas tant porté préjudice que ça. Ça va, ça aurait pu être bien pire en fait pour cette Zaira. Il faut dire que tout le reste de la line-up des Fnatic Academy avait de quoi se défaire. Et puis Zaira a cette faculté de se dire bon, je me fais one burst, mais du moment que j'ai le temps de press R, mon travail entre guillemets accompli, et du coup c'est un moindre mal et derrière le reste tu peux bait les adversaires sur toi effectivement, les obliger à aller dans ton ulti et là, clac, le piège se referme. Exactement. Le carnivore mort. Et ça deal hein, massivement. Du coup côté Giants, on a pris également de quoi trouver du dégât Ezreal pour EQ, en espérant qu'il soit plus précis sur les skillshots que sur les games d'avant. Et Memento sur une Elise. C'est ce genre de pick en fait qu'il faut pour Giants. C'est des picks qui pèsent tôt, qui sont playmakers. Tellement fort Elise en early. C'est vraiment un champion qui peut tout faire dans la jungle et qui est extrêmement fort, notamment pour dive si on a envie de tenter des trucs risqués côté Giants. C'est sans doute le choix qu'il fallait faire. Et Amazing qui réplique avec son Lee Sin et une hache pour Mr. Rales. Le back-to-back. Compo bah, bien pick-up hein, pour l'instant côté Fnatic. Ah, est-ce que ça va être un Nautilus support? Ça reste un Nautilus flex en tout cas aussitôt dans la draft. Et ça c'est un argument intéressant pour Giants. Après je pense qu'avec un Ezreal en duo lane, il te faut un support qui apporte du push. Surtout face à une Zaira H. Je vois pas en fait Ezreal évoluer sans une Karma au minimum. Et pour le coup, Nautilus Broadside serait assez dramatique. Maintenant, on attaque la deuxième phase de ban pour le coup. Alors, pas de Gragas pour Kikiz. Est-ce qu'on va laisser son Fizz de disponible? Fizz et Camille qui sont dispo pour l'instant d'ailleurs. Ça fait pas mal. Mais Kikiz, parfois, il sort des champions qu'on n'attend pas de sa part dans des situations où on dit que ça pourrait être bien. Et Gragas qui est ban par les Giants. Il avait pu le jouer en match 1. Et il avait gagné. Et une Orianna ban également. Oh. Pas d'Orianna pour Niski. D'accord. Pourquoi pas. Honnêtement, c'est un ban qui est intéressant ici parce que Giants aurait pu complètement jouer pour bloquer la mid lane. Maintenant, chez Fnatic Academy, il n'y a pas une Orianna dépendance qui est si forte que ça parce qu'on a quand même pas mal de CC. C'est vrai que c'est pas mal pour Rome, Orianna plus Lee Sin. T'envoies la boule sur Lee Sin qui va chercher les adversaires. C'est pas mal, mais...
effectivement, est-ce que ça justifie un ban? Après, Niski a une bonne Oriana, oui. Oui. Ok. Et bon. On veut. En fait, il faut voir, peut-être voir ça de façon. Enfin, d'un peu plus haut. Il y a quand même 3 bans côté Giants contre Niski. Donc, disons que ban Oriana en plus de ça. C'est vrai que par contre, ça réduit son pool de champions. Donc, qu'est-ce qu'il va jouer d'ailleurs, Niski? Est-ce qu'il partirait sur son Ryze par exemple? Ryze, le Cassio, Harry aussi, son disponible. Ouais, il a joué ses Cassio avant. Ah, il a Camille qui est lock. Donc, le Nautilus a de grandes chances d'être support. Ouais. C'est intelligent en termes de compo et du coup on a beaucoup de ressources à Flaxish et on a vu que Flaxish sur les deux premières games était quand même relativement chaud. Maintenant, le fait de ne pas avoir le push sur le bot side, bah ça veut dire quoi? Ça veut dire que pendant les 15 premières minutes de jeu, si Fnatic Academy joue correctement et sans erreur, bah ils vont avoir une primeur au niveau de la prise de décision, au niveau du push de tour qui va être très forte. Sachant qu'avec cette hache au niveau du mid-game, ils ont tout ce qu'il faut pour accélérer. Ah, la Fiora pour Kikiz. C'est un pic dont on parle souvent pour faire face à Camille. C'est loin d'être mauvais, effectivement. C'est même censé prendre le dessus dans le 1v1. Et un dernier pic. Qu'est-ce qu'on va choisir au mid pour Knight? Sur quoi va-t-on jouer cette game couperée? Il faut du wave clear, là. Et là, la Orianna aurait été parfaite pour Giants. Talia, c'est bien. Pour Knight, on en parlait au match précédent avec Noah. Justement, les pics qu'on attendait de Knight. Et ça, Talia faisait partie de notre shopping list. C'est intéressant comme Pitalia, ça décale et ça donne un playstyle assez explosif. C'est ce qu'il faut en fait. Surtout que c'est pas mal parce qu'il y a 3 champions côté Fnatic Academy qui n'ont pas de dash. Ouais. Et ouais. Ah, le mur va vraiment être un problème. Ouais, ça peut être un gros souci s'il est bien positionné. Puis voilà, on parlait de la problématique du push sur le bot side, donc ça veut dire que la duo lane des Fnatic Academy va jouer haut. Au niveau 6, ça laisse un angle de décalage potentiellement avec Knight. Plus derrière, une Elise à ce moment de la game, c'est très fort. Une Camille à ce moment de la partie, pareil, excessivement costaud en termes de dégâts avec un TP. Donc c'est ce qu'il faut en fait. On a toutes les armes pour Giant pour arriver à briser le plan de jeu Fnatic. Maintenant, ce plan de jeu Fnatic, s'il est bien appliqué, bah, ouais, je pense vraiment que pendant les 15 premières minutes de la partie, ils sont complètement godlike. Et on l'avait vu bah, notamment en game 1. Fnatic Academy, s'il le décide, c'est une équipe qui est complètement capable de bloquer une game et d'évoluer sans faire d'erreur. Allez, on est parti dans le match, Ellie. Fnatic Academy a une victoire de montée en LCS Europe. Et les Giants, une défaite de descendre en Challenger Series. Elle est pas mal la draft des Giants tout de même. Au niveau de la répartition des dégâts, on a quelque chose qui est cohérent. Ils ont pris peut-être le meilleur jungle. Enfin non, ça reste Gray, je pense quand même le meilleur jungler du jeu en early, mais Elise c'est vraiment extrêmement bon. Ça peut avoir des problèmes de wave clear, c'est son souci. Mais après pour tout ce qui est gang dive, c'est vraiment extrêmement fort. La combinaison de dive au top est vraiment impressionnante avec Camille plus Elise côté Giants. Au mid la Talia qui peut décaler. Ils ont une draft pour jouer agressif, mais encore faut-il qu'ils le fassent et correctement Elise. Et du côté des Fnatic, on a donc cette Cassiopeia qui a été prise en blind pick de la part de Niski. Donc un choix très safe pour lui. La Kikiz sur Fiora. On va voir s'il va réussir à dominer ce match-up autant qu'on l'attend. Mais là, potentiellement, Fnatic Academy peut avoir 2 lanes gagnantes. Le top et le bot, ça pourrait donner des possibilités d'invade à Amazing. C'est ça aussi qu'il faut voir. Hein. Parce que les junglers sont quand même dépendants de leur laner pour faire leur choix. Est-ce que tu gank? Est-ce que tu invade? Est-ce que tu cross-map? Ça dépend vraiment de l'état de tes lanes. Sachant qu'on a 2 junglers qui sont là pour mettre beaucoup de pression au début de partie. Et l'intérêt d'Elise, comme tu le disais, c'est cette capacité à prendre les duels en fait, face à un Lee Sin. Même si Lee Sin a beaucoup de dégâts, il suffit que le cocon touche et tu as un véritable risque de décès. Et ça, c'est très important au niveau du positionnement sur la carte, au niveau de l'avancée de la vision, etc. Ça va donner beaucoup d'air à Giants pour pouvoir respirer dans ce début de game. Et ça va être important, tu disais, on a 2 lanes qui peuvent être perdantes. Le bot le sera, je pense, dans tous les cas, en dehors d'un scénario dans lequel il y aurait un gank. Ouais, ce serait... Au niveau du top, pour moi, c'est un 50-50 en début de partie avec l'avantage de Camille qui reste, en fait, double avantage sur le grappin qui est suffisamment long pour temporiser la riposte si tu restes collé à ton mur. Ouais. Et ensuite, bah, sur la relation avec un gank, t'as un hard control avec ce stun plus un énorme slow, là où une Fiora, c'est quand même assez léger. Dommage pour Ryu que ce Mystic Shot passe pas.
Ouais, c'est vrai que tu parlais de, ouais, de ce match-up au top. Il y a beaucoup de choses qui vont être intéressantes et qui vont se passer. J'espère que l'observateur pourra nous montrer un peu l'échange entre les deux joueurs, parce que finalement, Camille Fiora, c'est un match-up qui a été beaucoup discuté et qu'on a assez peu vu en œuvre. Ouais. Sincèrement, je crois que j'en ai commenté qu'un cette saison pour l'instant. Bah, c'est assez rare. Hein. Camille étant relativement ban très très souvent, et Fiora, un pic vraiment de niche. C'est vrai que la situation d'avoir les deux en même temps est quelque chose d'assez rare, et pour l'instant, eh bien écoute, c'est Flactige qui prend le meilleur. Le grappin, ça passe tout de suite. Le point faible qui est proc, qui est la move speed qui permettra disengage. Mais voilà, Kikiz sur la défensive, le bailliage tactique qui ne passera pas. À ce niveau 2 pour Flactige qui fait mal. Hein. Kikiz va à son tour passer son niveau, et là, on va voir. Ah, le push en faveur, ça coûte assez cher, mine de rien. Attention, SQ spell, le point faible quand même. Touché gratuitement, jolie parade là, sur le bailliage tactique. Et là-dessus, Kikiz a quand même... En fait, le truc, c'est que les animations de sort, comme tu le disais, de Camille, peuvent être un peu longuées quand même. Donc pour la parade, il y a quand même beaucoup d'options, si t'as un minimum réactif. Bah, y a un vrai jeu de mad game, et en neutral game, entre guillemets, ici, où t'es juste sur une phase de POC, où on se regarde, le balayage, il passera jamais. Maintenant, si t'arrives à brain la riposte avec ton grappin, derrière, t'as une capacité à burst qui est énorme. Touche ton grappin, tu mets ton stun, tu link le Q-spell, t'as largement le temps de mettre le deuxième normalement sur une Fiora qui bah, du coup a été immobilisée. Et puis au niveau 6, bah, avec le décalage de la Elise, c'est kill quasiment assuré. Et Memento, justement, il est au niveau de la top lane. Pour l'instant, avantage Flaxish au niveau du push, mais les creeps sont pour Kikiz. Ouais, c'est bien ce qu'il fait là pour l'instant. S'il last hit bien sous tour, Jean-Camille a pas vraiment d'argument pour aller te poke quand t'es en train de last hit ici, à part voilà, ce fameux balayage qui peut être contré par la riposte. Donc ça va pour Kikiz, qui joue défensif au niveau du bot pour l'instant. Eh bien écoute, pied d'égalité au niveau du farming et au niveau de ce push, et le petit trail là au niveau du top. Attention, le point faible, on n'arrivera pas à le trouver. Jolie riposte une fois de plus. Ouais, Kikiz qui pour l'instant est en train de se chauffer dans son match-up. Donc Amazing vient de prendre une pink ward et directement on parle une veille, c'était pink, hein, côté Fnatic Academy. On sait ce qu'on veut faire, on vient prendre cette vision, on prend la fleur ici pour s'assurer que cette ward ira normalement au bout de son cooldown. Et côté Amazing, on fait la transition, on passe sur le bot side de map, il veut aller chercher ses Krugs. Ouais, puis je pense que c'est vraiment la lane sur laquelle il y a un kill potentiel le plus élevé chez Fnatic Academy. Puisque au top, pas vraiment de contrôle sur cette Fura, ou pas suffisamment. Au niveau du mid, près niveau 6, ça semble difficile. Oula, attention ici, l'échange, le point faible, et Memento qui est derrière, le balayage qui va passer. Attention, un cocon peut être mortel là. Il faut le cocon de la part de Memento. Il a son red buff en plus de ça, mais Kikiz, méfiant, joue derrière sa ligne de creep. Flaxish va peut-être devoir, s'il se colle au niveau du mur, il peut tenter de faire un grappin accéléré et de surprendre Kikiz. Peut-être, et dans tous les cas, c'est un choix qui va être très dur là pour Kikiz, c'est une situation compliquée. Il tente de bait la parade, on l'a vu. Amazing est toujours pas là. Memento, j'espère vraiment pour les Giants qu'il va en découler quelque chose là. Ah, il perd beaucoup de temps. Ah, pendant ce temps-là, Amazing, il se gave de farm, le going. Ah, il a tenté. Il a tenté le fast grappin. La riposte, Kikiz qui agresse ici, et oh! Memento, le cocon ici! Niski. Dans le creep, et l'arrivée de Niski, le flash-in de Memento, non! Non! Non, c'est un first blood pour les Fnatic Academy, Memento! L'homme qui brillait sous la pression s'écroule ici! Ah, c'est tellement dur! C'est tellement dur! Il investit, quoi, une 30? Une 30 où il patiente dans ce buisson pour mettre un cocon qui va taper dans un sbire qui a 3 points de vie? Et derrière, le teamplay Fnatic Academy qui fait la différence avec Niski et son hit qui vont le sauver. Là, le choix, en fait, ça aurait été plus safe pour Memento de rappel pour engager, mettre ses dégâts, repasser en forme humaine pour mettre le cocon ensuite en terrain ouvert au niveau de cette rivière. Et puis bon, bah derrière, Knight n'avait pas follow-up. Ça coûte excessivement cher, ça, Fnatic qui prend déjà un Kagold d'avance et Amazing, bah, un niveau d'avance également. Oh là là, quelle erreur de Memento, flash-in comme ça à l'aveugle. Contre c'est l'impression. Toutes les règles de prudence et de décence. Ah clairement. Très très clairement. Bah là pour le coup c'est une Elise qui va être ralentie, qui n'a pas de flash, qui va être vulnérable à un go-in potentiellement.
Et bah du coup, le top va être gagnant maintenant. La mid lane va être relativement bien puisqu'on en assiste quand même pour Niski et sa Tears. Maintenant, la solution pour Giant, c'est utiliser l'ultimate de Knight pour décaler. Il faut appuyer sur les lanes. Il n'y a plus de flash au top. Et après, bon, tous les summoners au bot, ce qui est encore un gros problème. Mais bon, c'est pas une excuse. Il faut essayer effectivement du côté de Knight, Ellie. Mm-mm. Parce que là, ça commencerait mal pour Memento. Et comme on le disait, Ellie, c'est un pick très puissant en early game. Mais attention au contre-coup. Parce qu'effectivement, une Elise qui ne fait pas un bon early game et qui est en difficulté, par contre, ça a l'effet totalement inverse. Ça snowball très fort en négatif, Elise. Ah, c'est sûr. Oh là, attention derrière le trade encore. Il y a des Plaxish là qui tentent de répondre. Kikis qui paye et qui retourne. Le grand duel. Les points faibles, les points faibles. Oh, la riposte! C'est bon, l'ulti n'a pas le Plaxish. Il finira crucifié dans ce 1v1. Kikis va maintenant prendre l'avantage dans son duel, et pour Plaxish, ça annonce des jours très sombres, très très sombres. Memento est en difficulté également. Ce top side de la map risque d'être un cercueil pour les Giants. Il est tellement large, Kikiz. Il a tellement une marge de manœuvre qui est scandaleuse. Il le 100%. 100%, pas besoin de flash. Non, 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 pas de problème, la riposte, tout y était. Et derrière, ça va pouvoir débloquer la première tour de la game pour Fnatic Academy. Amazing, bien inspiré ici sur son décalage. En cross map, Memento qui voudrait essayer de compenser sa push également au niveau du bot. Mais le mal est fait, la chips. Honnêtement, ça fait beaucoup. Hein. Giants, on a vu leur difficulté à jouer depuis le début de la journée. C'est une équipe qui est assez imprécise aujourd'hui, qui manque d'inventivité. Et en plus de ça, ils doivent jouer de derrière avec un match-up top qui est censé scale de façon négative pour Plaxish. Ah, ils ont passé leur temps fort. Bah, tout part de cette action, de cette salle d'attente qu'a improvisé Memento dans ce push top et qui n'aboutit pas. C'est dramatique, ça fait plus de 2 kgold de décart maintenant. Et même si on se venge avec un petit red buff, ça semble compliqué au niveau du mid. Niski prend pas de risque au niveau du bot. Voilà, il y a toujours ce double summoner. Et on a le niveau 6 maintenant sur Mr. Alès, donc de quoi pile si jamais ça go in. Amazing à son kick. Enfin, tout sourit à ces Fnatic. Et ça va continuer sans doute, Ellie, avec cette duo lane là qu'on attend au tournant également, niveau 6 pour les deux joueurs Fnatic Academy. Amazing n'est pas loin, ça pourrait être l'heure de déclencher les hostilités sur le sud de la carte. Il faut que Knight bouge là. Il a son blue buff, il fait son back. On a besoin de lui côté Giant. Regardez la minimap. On y voit comme en plein jour au niveau de cette rivière, il y a 3 wards de contrôle. Il y a seulement une ward de contrôle côté Fnatic Academy au niveau de ce tribush. Donc autant vous dire que le champ est libéré pour pouvoir justement créer un décalage et créer de la pression. Parce que même si dans le 1v1 Kikiz a l'avantage sur Plaxish, une Camille en termes de teamfight, ça apporte énormément. C'est là-dessus qu'il faut jouer. Maintenant la problématique, c'est d'arriver à le setup, d'arriver à libérer l'espace sur cette main lane pour que Knight puisse décaler. Et d'arriver à trouver le lock sur une duel lane qui a ses 4 summoners disponibles. Niski, on vient ici contester la pink. Memento, attention Memento, attention. Il décide d'aller burst. Et Niski flash out. Ah, la tisseuse. Oh, Knight est là, Knight est là. Amazing pourrait tomber. Amazing, Knight qui tente de faire la différence. La grenade SM qui va suivre Niski au travers du décor. Le knock-up ici de la part de Knight. Et Plaxish qui suit la flèche de cristal de Rales. Plaxish sera détruit sur cette action. Amazing qui nage ici entre le skill shot. Niski apprend à Memento le respect et qui quise une téléportation qui fait mouche ici. 4 kills à 0 et ce n'est pas fini. Memento. Memento, il va vite quand même, il est en forme d'araignée. Il ouais, a ses boosts, Plaxish de Kikiz. Il y a un point faible, non. On va s'arrêter là. Easy breathing. Ah, on va revoir. Tout commence tellement bien. Voilà, Memento, il est quasiment out. Knight, là, il nous sort une superbe esquive. Amazing, il a tellement joué low life finalement là-dessus. Et là, en fait, là, il faut bien comprendre que c'est du 4v5 au moment de la téléportation de Plaxish. Ouais. Niski se prend le knock-up. Mais non, le team play Fnatic Academy, le peel, les contrôles, le heal, tout y était. Et là, c'est le début de la fin. Le problème pour Giants, c'est qu'ils n'ont pas pu vraiment refermer l'étau sur Fnatic Academy. On pouvait croire au début de l'action que ça aurait pu être... Enfin, techniquement, Giants aurait pu terminer Fnatic Academy sur cette action parce qu'ils avaient la supériorité numérique, ils les prenaient des deux côtés. Mais ils ont été, ils n'ont pas réussi à se regrouper et à se refermer sur les Fnatic Academy en même temps. Du coup, en fait, Fnatic a choisi ses focus. Et ils s'en sont sortis
Eh bien, indemne, tout simplement. 4 kills à 0 pour Fnatic Academy. C'est parfait. C'est absolument parfait. C'est Huslin, en fait, qui a pas réussi à trouver la position, hein, qui a pas réussi à peser dans cette phase de fight. Et c'est le problème d'un Nautilus, c'est que bah, pas une portée énorme, pas une vitesse de déplacement énorme non plus à ce moment de la game. Et ça coûte cher. Pour le coup, on est sur un écart de 3 kagold bien tassé. Un Lee Sin sur 2-0. Voilà, on fait nos Warrior, on enchaîne sur les Drinker avec un bon pool d'AD familial. On va bientôt avoir la BRK. Oula, attention, Flaxi, qui va amazing, se présenter, le Q. Amazing. Oh, ce kick, on cancelle le grappin. Et ça n'aboutira pas, malheureusement. Il a tenté l'insec, amazing. Je pense qu'au niveau de l'exécution, il était dans le timing. Les Flaxi qui finira par survivre. Memento. Attention, Memento, au niveau du bot. C'est pas mal ce qu'ils font là, ils vont pouvoir récupérer cette tour. Ouais, mais le top, attention, Flaxi en difficulté quand même. Flaxi a son flash, il a son ulti. Maintenant, est-ce qu'il peut arriver à défendre? Parce que là, on a quand même Hydre Vorace hein, de récupérer pour Kikiz et le Warrior en poche pour Lee Sin. Donc le burst est conséquent. Et voilà Flaxi qui se fait complètement zoner. Regardez les mains, les critiques là, le grappin, ça ne passera pas sur cette onde résonante. Mais la tour se fait gratter, Chips. Effectivement, ils ont pris la moitié de ses points de vie pour l'instant, les Fnatic Academy. Et une session de Rome qui s'engage ici. Et on avance la vision et on va pouvoir récupérer ce héros de la faille pour Kikiz. C'est une belle phase de jeu là tactiquement pour Fnatic. Et là aussi on voit j'ai envie de dire, l'incidence de ce dragon des vents. Fnatic Academy n'en a que faire, donc on sacrifie le bot side. Pour la tour bot, c'est pas ouais, grave, la première brique est déjà tombée et on a le push derrière. Il joue à 100% autour de Fiora, mais en fait... Huslin. Attention, oh le héros qui reset finalement l'engage de Mazing prend d'énormes dégâts. Huskin dans la mêlée également, Mazing va tomber là-dessus finalement. Les Giants font une grosse opération, on les a pas vus venir. Mais ils ont ici fondu sur les Fnatic Academy. Et ils prennent le héros de la faille et un kill. Belle réponse côté Giants, très très belle réponse même Ellie. Ah, c'est très bien fait ce héros qui va permettre à Plaxish de pouvoir respirer un peu plus dans son 1v1. Sachant qu'on a établi Ninja maintenant, donc on sera un peu moins sensible au burst de cette Fiora et on va revoir cette action. Bah tout part d'un Huslin qui arrive la fleur au fusil. Ouais, Ninja, au début je me disais, est-ce qu'il va vraiment faire quelque chose? En fait oui, parce que c'est vrai que Giants a quand même de belles capacités de pick-up avec cette Camille notamment. Donc oui, ce que je disais c'est... Oh, le flash sur Niski là. Niski. Mais il n'y a pas tant de dégâts que ça. Hein. Il ne doit pas mettre des dégâts sous la tour, Niski, il va prendre l'aggro. Et il tombera pour ça, le kill en faveur de EQ. Attention. Belle tentative pour Huslin là, ça fait deux fois qu'il carry sa team, c'est propre. Ça permet à ce Ezreal de pouvoir se mettre bien avec ce petit kill. Par contre, voilà, l'hémorragie topside continue de faire son travail. Kikiz qui va se faire un plaisir de gratter encore un peu plus cette tour. Je pense pas qu'il puisse la récupérer là. Mais c'est toujours ça de récupérer. Ah, quoi que. Ah, il va la prendre. Il va la prendre. Kikiz. Le fossoyeur de tour, comme je l'ai appelé hier. Et deux niveaux d'avance sur Plaxish. Lui tire en deux maintenant. En fait, c'est le problème pour Giant. C'est en speed push, ils vont se faire manger désormais. Ouais. Et derrière, il y a une bonne capacité à teamfight, honnêtement. On les a vus. On a vu notamment Huskin là, qui a réussi à trouver quelques engages. Ils ont toujours le mur de la tisseuse de Knight. Peut permettre de prendre hors de position des joueurs Fnatic, mais c'est vrai qu'il va falloir prendre l'initiative en fait côté Giants. Bah, ils peuvent pas se contenter de laisser Kikiz push au top et de se dire on va réagir en fonction. Non, c'est déjà perdu en fait s'ils font ça. Ah, je suis d'accord. Après, bon, Huslin a été chaud mais assez opportuniste on va dire. C'était, il y avait voilà un petit kill sérieux sur un plateau d'argent. Maintenant le problème c'est que bah il y a tout ce que tu viens d'expliquer sauf que le Ezreal n'est pas sur un temps fort là. Et la hache, oui, on a la BRK, on a un arc court, donc on a un potentiel de dégâts intéressant. Là où ce Ez, maintenant, bah, il chatouille en fait. Même la Talia, on a un Abyssal qui n'est pas non plus l'item le plus bursty, on va dire, du jeu. Donc, c'est un peu un double tranchant pour Giants. Slin, l'incursion. Ah, la Fiora n'a pas envie non plus night. De... Il faut night. Un kick, amazing. Ah, et on va pas passer sur cette onde sonore, mais... Une T1 pour Fnatic Academy et la réponse va normalement suivre de la part des Giants au niveau du top. Il faut absolument prendre cette T1. Ouais, c'est bien fait ça tactiquement pour Giants. Ça reste à leur intérêt. Je pense qu'il vaut mieux refuser les fights encore là tant qu'on n'a pas la Trinité sur ce Ez. Et voilà, autant récupérer des tours, échanger des gold, assurer sa montée en puissance de manière pacifique. Par contre, attention à ne pas se faire out-rotate. Là, la duo lane Fnatic qui gratte cette T1. Amazing. Allez, le kick est aligné. On réceptionne. Le route ici sur Nike qui va prendre le knock-up également l'outil de Klai. Et au Kikiz. Top.
Kikiz. Un V2 Kikiz, la riposte. La riposte ici, il a pris le stun. Kikiz qui prend le heal est derrière. Il va fight dans l'ulti de Flaxish. Memento se joint à la fête. Ce sera finalement le kill pour les joueurs Giants. Et le mid. Le mid ball défense de Knight ici. Effectivement, ce mur qui apparaît au milieu de la lane et qui empêche Fnatic Academy de venir prendre la T1. Et c'est Kikiz contre le monde entier. Là, il se balade dans ce BO 2-1-2 et un kill en 1v2 avec une riposte. C'est l'homme de la situation. 5 étoiles. Alors là, c'est honnêtement, ouais. Véritable Jason Statham de League of Legends pour l'instant. Et qui part Trinité d'ailleurs. Chose qu'on voit pas souvent sur les Fura. On se fait un petit plaisir. On a envie de burst là où on sent que les Fnatic ils sont confiants. Il y a plutôt de quoi hein, quand tu vois. Alors Kikiz aurait dû rester. Il aurait pas dû sortir de cette de son ulti. Ouais, il a perdu 3 secondes de heal. Et on surtout a Clay, qu'il était en partie dans l'ulti de la Camille. Je pense qu'il a perdu 3 bonnes secondes. Alors, ça arrive pas énormément, mais là Kikiz a fait une vraie erreur dans son duel, je pense. Dommage parce que je sais pas ce qu'aurait fait la Camille s'il était resté dans son heal. Sachant qu'on avait une Zyra qui arrivait juste derrière. Donc non, je suis d'accord avec toi. Effectivement, là, c'est un petit détail. Mais après, bon, le move reste quand même largement rentable pour Kikiz. Et on en parlait dans cette team Ultimate rang 2 sur un champion niveau 8 avec une Fiora. Bah, ça découpe, ça ne rigole pas. Et ça paye là pour Fnatic qui veut accélérer le jeu. On va arriver sur la 19e minute de jeu. Nashor va pas tarder à pop. Prochain dragon, dragon des montagnes. Donc, bien, toutes les clés en fait dont a besoin Fnatic Academy pour arriver à accélérer. On avance également un petit peu de vision. C'est peut-être le moment sur lequel il va falloir commencer à enchaîner les arrows du côté de Mister Alès. Ouais, on va voir justement si ça va toucher un peu. Hein. Parce qu'on a eu une hache sur le match précédent qui n'a pas été super satisfaisante au niveau du taux de précision sur les flèches de cristal. Donc là, on attend forcément mieux. Et bon, Ralez a pas trop mal joué comme aujourd'hui. Il a eu cette action un peu bizarre sur le match précédent. Oui, sur la T3 bot. Ouais. Mais à part ça, je l'ai trouvé correct. Après, bon, Ralez sera jamais, sera plus jamais un top ADC. Ça l'a jamais vraiment été de mon point de vue. Mais c'est un mec avec de l'expérience et je pense qu'il reste quand même supérieur à IQ. Ouais, il y a des chances effectivement. Puis là, en plus, pour mettre ses arrows, c'est la situation optimale. Il n'y a pas de QSS, il n'y a pas de cleans. C'est on a des champions statiques avec cette Talia, même sur le Nautilus en réalité. Hein, parce que bon, un Nautilus top. Oui, on va pas chercher le focus, bien sûr. Mais un Nautilus support là, avec sa side stone et ses bottes de mobilité, il tente pas grand chose à ce ligne. Maintenant, il faut décider de partir à l'offensive et il faut pas trop traîner. Il y a la Trinité sur EQ. La Manamune se stack également, doucement mais sûrement. Knight commence à accumuler de la paix avec certainement un bâton du vide en préparation. Et on a la Trinité également sur Flaxish. Ouais, mais le souci pour Flaxish, c'est que Kikiz est largement devant dans le 1v1, malgré le buff héros de la faille pour Flaxish. Ça suffit absolument pas à compenser l'avantage de Kikiz actuellement. Non, clairement pas. Après, je pense pas qu'on soit sur un stade si critique qu'on pourrait avoir un scénario dive en 1v1. Là pour l'instant Kikiz il va avancer la vague, il va prendre le contrôle de la jungle bot side, on va récupérer des buffs. Sur la Trinité peut-être. Peut-être. En fait ça dépend de sa capacité à trouver les points faibles sur l'ulti. S'il arrive à tous les trouver, il peut dive. Sinon, c'est peut-être plus risqué. Ouais, il va falloir du tanking là pour Flaxish qui en plus va être obligé de passer par la case Tiamat. Donc ça veut dire que le prochain item qui lui permettra de survivre, ça va être une Hydre Titanesque qui va arriver dans un bon gros paquet de gold. Donc il va falloir gold rush là pour Giants qui se regroupe sur cette mid lane. C'est le moment d'utiliser ce S, c'est le moment d'utiliser le cocon également de Memento. Flèche pour Ralez. Allez, c'est parti, Kikiz, flanc droit, flanc gauche Niski et on n'arrivera pas à trouver engage. Ouais, dommage, il y avait l'idée côté Fnatic Academy mais effectivement les joueurs qui venaient des côtés étaient un peu en retard sur l'action. Pourtant, Ralez avait tenté de fixer les Giants via cette flèche de cristal, sans succès. Et donc, la T1 qui s'ouvre en premier en faveur des Giants, pour une fois que quelque chose leur sourit un peu. Ils reviennent à égalité d'ailleurs au niveau des tours. Oh, le regard de la Méduse sur Uslin là. C'était quoi ça, Uslin? Flash out, s'en sort à rien du tout. Derrière le turn, peut-être pour Flaxish qui va trouver le stun sur Ralez. Le go in amazing, le balayage pour disengage, le TP cancel pour Kikiz. Et on se fait de grosses frayeurs des deux côtés. Si, bon, il a voulu tenter cet engage de Slin, mais derrière il a compris. Hein. Ça envoie énormément de dégâts côté Fnatic Academy. Il a
S'il décide de s'exposer, ceci il va être obligé de le faire, je pense, Ellie. S'il décide de s'exposer, il va falloir que ça suive directement côté Giants. Oh, parce que ça ne pardonnera pas à Flaxfish. Oh, un flash burst, utilisé. The burst Kikiz, dive. Kikiz ici qui utilise la parade et tout de suite puni par un style de kill en fer de Kikiz. Il a le heal. Il a le heal. Kikiz, il flash out. Il avait l'aggro. Le mur de la titeuse. Le dash out de Kikiz. On expose Amazing. Il restera au combat mais arrivera à fuir par ses propres moyens dans la foulée. Et Clay, là, attend son heure dans ce mission. Il est sur une pick ward. Il va réceptionner un joueur Giants. Lequel? Memento. Memento. Memento, ça passe de la part de Clay. Et on n'ira pas plus loin. Ouais, effectivement, belle phase de jeu encore. Kikiz, là, ici. Ben, on en parlait de ce dive avec la Trinité. Eh bien, il est arrivé. Et on sent que cette Camille n'a pas les épaules pour arriver à tenir, malgré le backup de son équipe, malgré un très bon wall de la part de Knight. On va revoir cette action, d'ailleurs. Il a pas grappin sur Kikiz, d'ailleurs. C'est un choix qui est contestable, Flaxfish. C'est étonnant, ouais. Et le proc du héros de la faille, c'est vraiment mal. Confiance. Alors, dommage, ça riposte. N'a pas l'effet escompté et il flash après dans l'ulti US, mais il ne meurt pas. Il est quand même venu prendre un kill en 1v2 sous la tour. Et il force 3 ultimates sur lui derrière. Ça fait quand même beaucoup de choses. Bon, bah pour Fnatic Academy, tout va bien, j'ai envie de dire. On a une BT en préparation pour Kikiz. On a le dragon des montagnes qui va pop dans 5 petites secondes. Le Nashor est là en train de les attendre sereinement. Côté Giants, bah toujours pas de gros timing vraiment intéressant. Donc pas vraiment de contestation de ce dragon. Maintenant, est-ce qu'on peut call Nashor? J'ai l'impression que c'est ce qui est en train de se passer. Maintenant, est-ce qu'on a les dégâts? J'en suis moins sûr. Ils ont envie de le faire, on dirait. La hache peut scouter. Ceci, ça va assez vite. Hein. Ouais, ça va vite, c'est pas mal. Là. Attention, Clay. Clay, là, c'est l'ulti 3 Kylo. Memento qui va tomber. Oh, ils ont plus de smite! Ils le récupéreront quand même via Flaxfish. Attention là, attention, Austin qui décide d'y aller. On veut en ligne. Côté Giant, Flaxfish qui mène la charge. Flaxfish qui va tomber derrière. EQ fait un énorme boulot. EQ flash out de Ralez. Amazing qui nous prend cette onde sonore. Amazing. Le smile sur le carapateur pour reprendre les points de vie. Amazing qui va prendre le 1v1. C'est qu'il n'y a plus de mana sur Knight. Et il y est pendant ce temps-là en split screen. Vous voyez le travail de Kikiz. Oh là là, Amazing qui continue de dérouler. 4 kills de récupérer sur ce call Nashor ambitieux. Pour les Giants. Et un inhibiteur. C'est pas rentable. Hein. Ah non, clairement pas. Regardez, T3 qui est tombé, inhibiteur, T2 mid, 4 kills contre un seul petit pour Fnatic Academy. Ça coûte tellement cher. C'est 5 gold de décart. Alors, la bonne nouvelle, c'est que du coup, le Nashor n'est plus disponible pendant encore un bon moment. Ouais. Et ça va permettre aux Giants de stall un peu la game. Et encore, parce qu'ils ont perdu cette inhib en fait, donc c'est... Je sais pas quel... Oh, ce petit juke de Amazing. Oh, Amazing. C'était subtil. La plante. La plante. Oh là, les mécaniques du navire. La ward. Oh, il avait pas ce... Dommage pour lui, il devait pas avoir son cooldown. Ah, c'est dur. Après, pour revenir sur l'inhibiteur, ouais, c'est même pas si grave que ça pour Giants. Pourquoi? Parce qu'il reste 2 T3 à récupérer, et qu'une T3 à aller chercher son Nashor, à moins d'avoir... une phase de fight complètement abracadabrantesque, je vois pas Fnatic arriver à percer. Bah en fait, ça dépend de la capacité de Kikiz à attirer du monde au bot, parce que je pense qu'il sera peut-être du côté des creeps, peut-être du côté des tours de Nexus, donc les Giants vont devoir reculer et défendre en fait. Et à partir de là, Fnatic Academy pourra avoir des options pour prendre les T3. En tout cas, je pense que c'est une vraie possibilité pour eux. Après, il reste à voir si Kikiz arrive à mettre ça en place. Ouais, je suis d'accord avec toi. Après, je pense que dans la pratique, c'est dur à mettre en place. Après, on a vu Kikiz était chaud, donc on va lui faire confiance. En tout cas, là, Giants arrive à récupérer un petit peu de gold avec ses T2 au mid. On va pouvoir ouvrir le jeu et peut-être déléguer un peu les assauts Fnatic. On va revoir d'ailleurs cette phase de Nashor. Bah, c'était risqué hein, face à une Zyra. Rien que l'ultimate déjà, mais très très lourd. Et Memento qui meurt, je me suis dit que ça aurait pu être... T'imagines, Fnatic le vole en plus de ça. Oh, ils peuvent finir la game. Ça aurait été la game, ouais, je pense. Ouais. Je pense qu'ils auraient pu finir, ouais. Très bonne phase de fight de la part de Mr. Ralez, hein, qui arrive à appliquer le Runan sur 2 joueurs au minimum en permanence. C'est d'ailleurs Amazing qui se fait plaisir. Dommage pour ce petit Q-spell. Ouais. Oh. Memento se fait détruire ici par les Fnatic Academy. Et là, par contre, avec le pushbot à 4v5... Ah, et Memento, il a pas le droit d'être là, hein.
Là, c'est une grosse erreur. Et l'arrow dive, la et bien dive. Amazing, voilà. Allez, réceptionné. C'est un chronopost, Amazing. Attention tout de même. Dive. Au dégât en retour, Knight qui prend un premier kill. La T3 qui est tombée finalement en faveur des Fnatic Academy. Knight pourrait lancer le chase ici. Il y a un regard de la Médu sur Niski. Attention, faut pas s'enfaler non il plus. Il a un flash. Il a un flash, Niski. Et il reste le World Boss Kikis. Fort là de son 3-1-4 et de son niveau 16. Il faut des push le bot side. Il va falloir tenir jusqu'au côté Giants. C'est du 3v2 pour l'instant. Allez, on esquive les skill shots un maximum. On va prendre cette ward de contrôle. Blinking de EQ là. On va forcer Kikis à reculer et on gagne encore un petit peu de temps. Et Giants, effectivement, conservera ses tours de Nexus. Ils vont réussir à vivre, Giants. Ah, mais même temps, il faisait son back sur une ward. Sur une ward. Ça force le flash de Kikis tout de même, bon. Et après, bon, voilà. On en parlait, un Nautilus support. C'était donc pas des masses. Et joli turn quand même hein, de la part des Giants qui arrivent à trouver deux kills assez rapidement et un EQ qui n'hésite pas hein, à claquer des petits blinkins assez on va dire intrépides ici. 2-1-2 pour ce Ezreal. Peut-être la porte de sortie. Après voilà, une porte de sortie qui va devoir trouver un solide 4k gold à remonter. Enfin, est-ce que ça pourrait être remonté hein, côté Giants? Encore une fois, on a un peu de doute sur leur capacité à outscale les Fnatic Academy. On a de très gros doutes. Ouais, pour moi, ça va être compliqué. Là, on a les trois items pour ce Ez avec la Muramana, mais c'est tard. C'est tard. Et même si on n'a pas une frontline énorme pour l'équipe Blue Side, mais on a du sustain en fait. On a un gros pool d'HP. Cette Fiora, elle est indélogeable. On a un Séraphin sur Niski pour tanker s'il le faut. Le Lee Sin, je ne les vois pas l'attraper. Et je ne les vois pas arriver à le burst surtout derrière. Puis on a une hache qui tabasse aussi. Hein. C'est vrai, il commence à avoir du stuff, Mr. Ralez. Il va aller chercher. Qu'est-ce qu'il va chercher d'ailleurs? Il va chercher une BT là? Ouais. Ah ouais. J'aime bien ce choix, comme pour la Fiora, de double item à lifesteal. Parce que si on regarde dans la draft Giants, on n'a pas tant de burst que ça à ce moment de la partie. Alors oui, on a une Elise, mais maintenant les dégâts sont un peu moins importants. Un Ez n'est pas forcément le meilleur à des centaines de burst. Et une Talia, bah c'est compliqué en fait. Faut trouver le knock-up, il faut ouais. Beaucoup de choses. Donc le fait d'avoir autant de lifesteal, bah, ça fait que face à toute la phase de POC qui est complètement insensible, et en phase de fight, s'il y a un bon relais au niveau de la protection par ton équipe, pareil, t'as un second souffle. Alors, Dragon des Montagnes bientôt disponible. Giants va tenter de se positionner. De toute façon, Giants, là, il y a beaucoup de choses qui vont se passer hein, dans la minute à venir. Attention, le flash in la part de Memento. On va tout mettre sur Amazing. Amazing, le flash out. Repositionnement. War Trick. Austin, pendant ce temps-là, lui, tombera sous les coups des Fnatic Academy. Mr. Alex, une dernière seconde. Le burst de la part de Knight. Et l'ulti de Flax, il joue en dedans sur les skis. On burst. On met des dégâts. L'arrivée de EQ également. Les Fnatic Academy tombent sur cette phase de jeu. Et Giants fait quand même une très bonne opération vu la situation globale pour eux. C'est vraiment pas mal. Kikis, EQ. Kikis, il veut sustainer. Oh, regardez-moi ça. Il faut persévérer pour EQ. Il faut persévérer, mais il n'est pas assez rapide là pour venir chercher la Fiora de Kikis. Et Giants doit back. Giants doit défendre cet inhibiteur au bot qui est menacé par ce slow push. Et Giants n'arrive pas à récupérer ce dragon malgré cette énorme phase de fight. Memento. Très bien tenté. Oh, Memento, on va partir au niveau de ce dragon des montagnes. Amazing va venir s'interposer. Clay est présent également. La prise de vision avec la plante. 2000 points de vie sur ce dragon. Amazing. Amazing, okay. C'est trop tard ici. EQ qui prend directement l'offensive. L'arrivée de Kikis. Kikis qui va arriver au milieu des trois joueurs. Ici, ça pourrait être un carnage de burst sur EQ. Flaxish également au cimetière. Kikis a dit qu'il prenait doublé là-dessus. Et on va enchaîner là-dessus, Eli. On va enchaîner. On va aller prendre limité au niveau du bot. Et peut-être plus même. Il y a deux inhibiteurs là hein, qui sont gratuits à les récupérer. Et encore tout part d'un Kikis particulièrement inspiré. Avec une belle utilisation du TP plus cette petite plante explosive hein, qui lui donne le positionnement optimal. Et ce dive là, attention Knight. Le route, est-ce qu'on peut vraiment y aller? Il n'y a plus de sbire, il y a un Slim s'est vraiment mis en travers hein, pour protéger son midlaner. Et ça est limité robot et récupéré par les Fnatic Academies. Et ça pousse, cette midlane, la T3 balayée d'un revers de manche par cet effectif Fnatic Academy qui semble bien tactique. Décidé. Le deuxième mini, pendant ce temps-là, c'est Clyde sur le top side qui met beaucoup de pression. Le mur
qui permet de temporiser et l'engage. Parade tout de suite. Parade de Kikiz. Austin, on appelle ça un outplay dans le jargon. Ça pardonne pas. Est-ce qu'on va prendre le troisième inhib cette parade. C'est Kikiz contre le monde entier, encore ce BO. c'est assez souvent la même chose chez Fnatic Academy, en fait. J'ai hâte de voir si Kikiz va rester dans l'effectif pour le Summer Split ou pas. C'est un joueur vraiment de talent, notre ami Kikiz. Et pour le coup, Fnatic, qui va laisser cet inhibiteur pour le moment. Alors maintenant, quel choix? On a 10 secondes avant le pop de Hustling. Est-ce qu'on rush Nashor? J'ai l'impression que c'est le choix qui va être fait. On laisse Clyde derrière en backup, c'est vu. Maintenant, on a un Dragon des Montagnes, on a une BRK. Ça va très très vite, c'est bon. Bon pile ça, Memento le rappelle. Kick tout de suite, on rentre dans le pit. Même pas besoin de smite là pour récupérer l'objectif. C'est validé. Fnatic Academy semble bien parti, Chips. Ouais, normalement, ça devrait être la fin du match là, dans les 2 minutes à venir. Le temps de retourner dans la base des Giants. Il aurait fallu faire ça, mais tout le BO, Giants. C'est ce genre de flash qu'il fallait pour oui, Memento. C'est ce qu'on voulait voir. Plus action. Plus action de leur part. Ils ont une Talia, on l'a pas vu suffisamment mettre de dégâts. C'est... ce goût d'inachevé quand tu regardes les Game Giants quand même. Ouais. Clairement. C'est un... Je dirais pas timide parce qu'ils tentent, mais voilà, c'est toujours ce petit degré de précision qui cette fois-ci leur a souri. Et puis après la défense du Drake là, avec Kikiz. Voilà, on laisse aucune chance à IQ avec le grand duel. Derrière, on laisse les poteaux pouvoir sustain et Flaxish qui va se faire flasher Flaxish hein, qui aurait été vraiment un sac de frappe dans cette game encore. 5 morts pour cette game. Ça aurait très mal débuté pour lui. Hein. Sur l'action de Memento. Encore une fois, Memento qui a un peu ruiné la top lane. Hein. Malheureusement. Attention. Bah, oh la roue, oh Slim. Attention, Flaxish qui rentre là. Flashard de Ralez, Ralez qui commence à envoyer du dégât ici. Flaxish, il faut tuer cette Camille si on tient le coup du côté des Fnatic Academy. Mais continue de bombarder Ralez. Ralez, totalement à l'aise. Mais qui sort. L'onde sonore qui résonne et pense en là. Kikiz va finir le match. Giants est éliminé des LCS Europe et Fnatic Academy gagne son ticket pour la plus prestigieuse des compétitions européennes de League of Legends. 3-0 à Elie. Bah facile, j'ai envie de dire là, pour un Kikiz très en forme. Je pense que son dernier kill sur Memento en dit long sur l'état de forme du joueur. Et bah c'est le travail de tout un speed, de toute une structure qu'on peut saluer ici. Mais bon, Clay aussi qui va faire enfin son retour en LCS. Sur une game intéressante d'ailleurs, si ça, ça ira. Messieurs, sur le canapé... Bah, il y a 4 joueurs qui font un retour en LCS, là, d'un coup. Tout le monde, sauf... sauf Niski, ouais, voilà. Mais qui a largement le niveau pour être en LCS. En tout cas, bien plus que l'avaient Vitality, Origen et Giants. Hein, bref, je reviens sur ce que j'ai dit sur Giants. Hein, ils étaient OK quand il y avait une méta, je dirais, facile à jouer, POC, pick-up, où tu n'as pas besoin de prendre de risques, et tout d'un coup, tu peux débloquer, à force de faire des choses répétitives, tu peux débloquer des situations et avancer. Quand il s'agit de splits, quand il s'agit de faire une rotation, quand il s'agit de faire un teamfight, de terminer une game, on n'y arrive pas. Du coup, on prend des drafts qu'on n'arrive pas à maîtriser, typiquement la dernière, et on se fait outplay, parce que je pense que les joueurs sont moins bons que les joueurs qu'il y avait en face. Donc, une défaite 3-0 parfaitement logique pour moi. J'attendais vraiment rien d'autre de ce match. Et gros, j'ai franchement très content que Fnatic Academy et Mixit Academy soient tous les deux passés. Ça fera du 109. Ouais, c'est des équipes qui jouent bien, avec des styles de jeu qui sont agréables. Ils savent, ils ont un plan de jeu. Kikiz, une énième équipe montée en LCS. Non, je suis avec le Daylor Beast, je suis très content. Moi, j'aurais tendance à dire que la victoire de Fnatic Academy, elle est un peu moins, elle apporte un peu moins de fraîcheur que celle de Misfit. Parce que bon, chez Fnatic, comme on dit, il n'y a que Niski qui est vraiment une tête nouvelle. Autant chez Misfits Academy, par exemple, Price Stalker, moi, m'a vraiment épaté, même s'il ne s'est pas joué beaucoup de champions. En tout cas, il joue très bien et on sent que ce type-là, il a une grosse marge de progression. Après, il y a une défaite, ce que je disais à Noah, là, pendant que l'équipe était en train à l'agonie. C'est la défaite d'un pays, quand même, l'Espagne, qui perd 2 structures coup sur coup en l'espace de 2 jours. 2 équipes qui étaient en déficit économique à la fin de la saison 2016, comme quoi se renouveler son effectif, c'est primordial. Et on peut dire, et là, il y a 2 structures qui font passer leur équipe 2. Donc, comme quoi, il y a quand même une primeur à la bonne gestion.
Et j'espère qu'au fur et à mesure des années, entre guillemets, les fraudes, mais les équipes qui n'investissent pas suffisamment sur leur gestion sportive vont commencer à sortir des LCS pour laisser place à d'autres équipes qui, elles, font preuve voilà, d'un investissement sur les personnes, les joueurs et l'encadrement. Ouais, il faudrait effectivement... de toute façon, en général, les meilleurs gestionnaires finissent au top. Hein, on le voit, une équipe comme H2K, par exemple, a toujours été plutôt bien gérée dans l'ensemble, avec des joueurs en forme qui ont été conservés, des ajouts à la line-up. Et c'est vrai que les retrouver au top actuellement n'est pas une surprise. Origen, bon, la descente est assez terrible. Giants, ils ont essayé de faire comme ils pouvaient. Parfois, c'est une équipe qui sortait des drafts intéressantes. Ils n'ont pas été les plus mauvais de la saison, mais ils étaient dans groupe A. À partir du switch de méta, ils n'ont plus rien fait. Ils n'ont vraiment plus rien fait. À partir du moment où ils ont perdu une game contre Origen, je pense que l'humiliation que était trop importante et ils ont FF mental. Ouais. Mais dommage, parce que pour moi, il y a deux bons joueurs qu'on pourra regretter. Alors même si Momento n'a pas Memento été... Momento a un peu ins ce BO. Un peu ouais. Ins, mais bon, son Lee Sin, c'est la première fois qu'il le jouait, c'était pendant ce up and down. Donc peut-être pas encore au point sur Lee Sin, il s'est bien fait focus. Moi, je regrette surtout Knight qui va sortir. C'est peut-être mon seul regret, mais sinon, place aux jeunes, même si Fnatic Academy, c'est pas si jeune. C'est pas si jeune, effectivement, mais Misfits Academy, ça risque d'être intéressant. Et alors maintenant aussi, messieurs, se pose la question des racheteurs. Alors, qui rachète ? Qui va racheter ? Alors, le PSG a dit non. Et d'ailleurs, c'est la première fois où toutes les équipes des LCS Europe sortent, enfin, qui jouent le tournoi de promotion, sont reléguées. C'est une grande première. J'espère que ce seront des structures plus e-sport que des clubs de foot. Non pas que j'aime pas du tout la présence des clubs de foot, ils ont une grosse puissance financière, mais je pense que c'est important aussi pour l'identité de l'e-sport qu'à un moment donné, il n'y a pas une fusion totale avec des clubs de sport. Et avoir PSG, il y a des rumeurs sur d'autres clubs de foot qui viennent d'Angleterre. On ne peut pas le faire. Il y a Schalke, on sait qu'il y a des clubs de foot français qui ont investi sur d'autres jeux. Ce serait dommage d'avoir en plus Barcelone, plus je sais pas, Juventus, parce qu'on commencerait à avoir vraiment la Ligue des Champions façon League of Legends. Et il y a quand même toute une part de gens qui ont investi pendant 10 ans dans l'e-sport avant qui mériteraient quand même d'avoir leur projet affiché sous une autre marque qu'un club de foot qui jette juste des billets dessus à la fin. Je pense que pour l'identité de l'e-sport, c'est important aussi. Ouais, même si je trouve que l'approche des clubs de foot a été assez saine dans l'ensemble. C'est pas malsain, c'est plus une question d'identité que de gestion. Ah ouais. Schalke n'a pas été mauvais, ils ont investi, ils ont acheté un slot, bon ils ont perdu. D'ailleurs ils ont quand même maintenu une équipe qui était très forte, il y a Schalke, mais c'était de très loin la meilleure équipe des Challenger Series cette saison. Ouais. Donc non, on peut pas jeter la pierre au club de foot. Même PSG, le projet est plutôt sexy, les joueurs sont pas mauvais, on a apporté des Coréens, la gaming house est confortable, on n'est pas en train de sous-payer des gens pour juste mettre son logo sur un club de League of Legends. Mais par exemple, je verrais mal demain Fnatic disparaître au profit d'un. Les Fnatic sont déjà associés avec la S-ROM. Oui, mais sur des jeux de foot. Mais c'est vrai que par exemple sur League of Legends, en fait, rapprocher le foot et League of Legends, ça a pas trop de sens en fait d'aucune manière que ce soit. Donc j'aimerais pas que des clubs de foot en LCS dans 5 ans quoi. Parce que ouais. Eux ils ont l'argent pour rentrer en LCS. On a l'interview et on revient juste après pour conclure. Niski, how does it feel, man? You have made it, you have qualified to the LCS. This is the big leagues. How are you feeling? I mean, for me playing in LCS or like qualifying for LCS was my dream before. And yeah, I mean it's just amazing. I have nothing else to say. Absolutely fair. Amazing for you. You've been here before. Does it feel great to qualify again? Were you at all nervous in this experience that you might not make it? I think it's pretty comparable to the Origin experience because we're kind of almost like supposed to make it because we have so many veteran players. So that increased me being nervous all the time. Basically, during the PSG series, especially game 5 when we played, I legit thought that we could lose. And I was the only one actually shivering on stage and actually like having some kind of jitters, but my team was able to pick me up. So I don't know, like it's been an interesting experience because I didn't expect to be in Challenger Series, but it was fun to just like guide people along the way. Definitely saw that. Now, of course, I got the luxury of hearing you speak to the team right before that game 3. You're like, hey, this is it. It's just best of ones from here on out. We just have to win one more. Do you usually take that kind of voice in the team to kind of try to calm people down in these intense situations? It depends. Like Koops is someone that's like extremely an extreme veteran too. He has played like so many seasons in Challenger Series, so he kind of knows what's up to you.
But whenever like things get rough or I feel like my team is too lax, then I try to take that role on the stage or like whatever it is. So yeah, like especially that guy, because if I don't keep him under control, he's going to end it. So he didn't do it this series, which I was happy about. Which is pretty important because you have now qualified for the LCS. Well, you may not have entered it, to quote Amazing here, but how do you feel about your performance overall in this series, Niski? I mean, I knew that Knight is a player that just, he's just farming, you know. He's not like, for example, yesterday we played against Misfits and against Koskyu, so it's just fighting. Against Knight, it was just farming. And I mean, I can play both ways, and I think today I did a really good job to just farm and like put all the damage that I could and like roam and like, you know, just do what a millionaire does right now. And yeah. All right. I mean, it looked good for you overall in this series. Is there any one moment that stood out to you, Niski, as a play that like you were really proud of in that game? I'm not sure. Definitely fair. All right. Well, while you guys have now qualified for the LCS, I want to shift our attention briefly to the playoffs going right now. Your sister team, your brother team, I guess, the older brother team, playing up against G2 tomorrow in the semifinals. I want to get your prediction for that, and we'll start with you, Amazing. Oh, God. Like, because they're a sister team or brother team, like, obviously they're going to 3-0. But in a realistic case scenario, I think they're not going to have it as easy as they had against HK, because G2 is a team that is well seasoned 1-3-1-2. So I think in general they're going to match up pretty well. I think it may actually go 5 games, yeah. Like, either way, I'm not going to call it. I'm not going to jinx that. All right. Well, I would be excited to see that. Are you, Niski, bold enough to call it, or at least how many games do you think it'll be? I think it will be like 5 games, probably. And I mean, I'm really looking forward to see Caps against Perks, obviously, because I know that Caps is like insane in lane, and I know that Perks is also insane in lane, so I really want to see that matchup, yeah. All right, well, I too would be excited to see the insanity in the land phase. But focusing back on you guys, thank you again so much for taking the time to talk to me after a win. Congrats again on the 3-0 and your spot in the LCS. That's going to do it for us. We'll throw things back to the post-game lobby with Shox and the crew. Et du coup, mon interview hein, de Maurice et de... C'est quoi le prénom de Niski? C'est une bonne question. C'est quoi le prénom de Niski? Yacine. De Maurice et Yacine, du coup... Pourquoi tu rigoles? Non, parce qu'on avait, on avait un Yacine dans l'équipe au gaming. Ah oui, Yass, ouais, et qu'on appelait Yassassine. Hein. Ouais, c'est vrai. Mais il aura assassiné aujourd'hui avec ça, le blanc aussi, Niski, c'est vrai. Et du coup, qualifié en LCS Europe, on le sentait quand même particulièrement satisfait. Ouais. Et c'est vrai que bon, bah, ça y est, il accède à la plus haute marge de League of Legends. Bon, si on accepte les compétitions, si on passe sur l'international, mais voilà, du coup, il y est, effectivement, on va voir ce que ça va donner. Hein. Sur le prochain split, ça parlait un peu des matchs, notamment contre les Misfits Academy, où il disait contre Koskyu, il y avait beaucoup d'agressions, c'était du fight en permanence. Et contre Knight, là, on était plus dans une optique de farming, c'était assez différent. Mais voilà, ils l'ont fait, les Fnatic Academy. Hein. Il a bien tenu, il n'a pas fait que ça, il a su trouver aussi le flank. Et ça fait plaisir de voir un jeune joueur de 18 ans, Niski, qui passe là du coup en LCS et qui sort une première game où il avait... Alors, on parlait effectivement de game 2 et 3 où il est très en contrôle et un peu en retrait. Mais game 1, il a vraiment eu ce rôle de flanqueur, d'être initiateur, de communiquer avec son équipe. Et quand tu sais tout ça et que tu te dis que bah, le jeune joueur, il est encadré de 4 autres vétérans, c'est genre le terroir optimal pour avoir un joueur qui, dans un split, après avoir mûri un petit peu, pourrait vraiment être un gros nom. Après, je me demande s'ils vont garder toute la line-up. J'ai des doutes quand même. Je pense que Kikis va retourner en Challenger Series. Ils ne garderont pas Amazing. Et Amazing, bon... C'est effectivement, il faut voir. Je sais pas quels changements ils feront. Enfin, est-ce qu'ils en feront? Oui, et Dom, déjà, et il faut voir qui reprend la line-up. Ouais. Il faut voir qui reprend la line-up déjà. Il y a beaucoup d'interrogations, effectivement. Sachant qu'il n'y a pas juste cette ça va être l'intersaison des spéculations, du coup. Ouais, les mercatos vont être gonflés hein, en termes d'apport financier. Ouais. Ça va être rigolo, effectivement. Il faudrait qu'on essaie de faire nos pronos sur les potentiels racheteurs. Ouais. S'il n'y en a pas, il n'y en a pas tant que ça. En tout cas, du milieu purement e-sportif. Je parle pas des clubs, etc. Mais purement dans les grosses marques e-sports qui ont la thune. Pour acheter ça, il n'y a pas énormément de possibilités. Qui est-ce qui n'a pas d'équipe? SK. SK n'a pas d'équipe, c'est vrai. Asus. FaZe. FaZe, c'est plus en NA, je crois, FaZe. Ouais.
Après, c'est toujours pareil. Sur d'autres jeux, parfois, tu as des structures qui ont des bonnes équipes, mais qui n'en sortent pas. Tu as Luminosity Gaming, ouais, t'as FaZe. Tu as Luminosity, oui. Tu as Panda Global, qui commence à avoir pas mal de fric aux Panda États-Unis. Global. Panda Global, ouais. Ouais. Tu as... t'as encore Copenhagen Wolves, c'est toujours peu. Evil Geniuses, hein, qui est toujours là, qui existe. Ouais, c'est vrai. Alliance, qui est toujours là aussi. Ouais, ouais, il faut voir. Il y a pas mal de trucs possibles. Effectivement. Bah écoutez, on verra bien. Ça, ça va être un peu notre, notre moment ragot de l'intersaison où effectivement on se demandera qui aura acheté ces, ces slots de LCS qui sont maintenant disponibles au plus offrant, forcément. Bah, sur ce, ce tournoi de promotion d'LCS Europe, c'est terminé. Tout à fait, Chips. On va se laisser là du coup. On se retrouve à la GA. On se retrouve à la GA, alors même si on n'aura pas beaucoup de temps pour les gens, nous, mais voilà, comme je vous le disais, si, on, si vous nous voyez en train de courir, n'essayez pas de nous arrêter. Nous irons trop vite pour vous. Travaillez mon coup de coude. Effectivement, Noah fait du rugby, donc les raffus, il connaît. Voilà. La cage cathédrale. Ouais. La violence. T'imagines l'enfant de 13 ans qui arrive devant toi. Noah. Cassé en deux. Non, ça n'arrivera pas sur le moment, mais c'est beaucoup de complications après pour 5 secondes de plaisir. Parce qu'il admet quand même qu'il prendrait du plaisir à faire ça. Mais je te comprends effectivement. Du coup, on va quand même remercier nos sponsors également, donc la Fnac et Twitch qui nous suivent actuellement. Merci de nous avoir suivis tout au long de ce tournoi de promotion. N'oubliez pas que vous pouvez vous abonner au gaming pour nous soutenir, bien entendu. Et écoutez, on se dit alors à demain sur Gaming, 10h du matin, pour le Samsung contre KT Rollster. Le feu. Ouais, ça va être l'avant-dernier round des playoffs LCK. Et le gagnant demain ira affronter SKT la semaine prochaine. Donc, cross finger, ce sera KT. Rendez-vous. On verra effectivement si qui de Samsung ou de KT s'imposera. On se dit à demain sur Gaming et bonne soirée à tous. Ciao. Real sometimes I only have you to blame. It's not too late to change. Me.